Donc, on va commencer parce que le cours est long. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Oui, ça va. On peut commencer? On est déjà à 21, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, on va voir aujourd'hui, essayer. Je vous avertis qu'il y a des plaques, en principe, qui n'existent pas sur votre document de lecture. Quand je fais le cours sur l'asthme, il y a des informations sur lesquelles qui existent sur le document de lecture sur lesquelles vous serez évalué, mais il y a certaines parties sur les diapositives. C'est pour vous, pour vous informer en tant que médecin et tout ça, vous ne serez pas évalué pour. Comme par exemple la physiopathologie, c'est juste quelques plaques pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'asthme. Donc on va commencer. Alors, pour ce qui est de la définition de l'asthme, jusqu'à 2004, donc la définition de l'asthme qui était donnée était une définition physiopathologique. Ne parlez pas parce que je vous entends, s'il vous plaît. Alors, l'asthme est une maladie inflammatoire. D'après, donc jusqu'à 2004, quand on voulait définir l'asthme, on le définissait de manière physiopathologique, selon laquelle l'asthme est une maladie inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation chronique de la muqueuse bronchique, et cette inflammation, elle est induite par donc une réaction où intervient de nombreuses cellules. Mais il y a deux cellules importantes qui intervient dans cette inflammation, il faut les retenir, c'est le mastocyte et l'éosinophile. Cette inflammation va entraîner une hyperréactivité bronchique. C'est quoi une hyperréactivité bronchique? C'est une tendance exagérée des bronches à rétrécir, à diminuer de calibre sous l'effet de stimuli divers. Et ça se traduit bien sûr cliniquement par des épisodes de wheezing, de toux, de dyspnée, d'oppression thoracique. Et quand cette inflammation, quand elle se pérennise, elle risque d'entraîner ce qu'on appelle un remodelage bronchique. Le remodelage, c'est quoi? C'est donc une réaction fibrogène de la muqueuse bronchique. C'est-à-dire que la bronche n'aura plus la possibilité de se contracter et de se relâcher. C'est une fibrose. Voilà. Ça, c'était l'ancienne définition. Voilà. Il y a du bruit, hein? Avant de vous donner les nouvelles définitions, il faut savoir que dans l'asthme, vous avez donc cette inflammation chronique des voies aériennes inférieures et vous avez une obstruction bronchique qui est variable dans le temps. Retenez ce mot variable, c'est-à-dire donc il y a une réversibilité, soit donc l'obstruction elle va disparaître, soit spontanément, soit sous l'effet du traitement. Dans l'asthme, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a la prédisposition génétique, mais il y a des facteurs environnementaux et des facteurs endogènes. Il n'y a pas que la génétique. Il y a certainement des facteurs qui nous entourent des gens qui interviennent. Il est désactivé le micro, hein. Voilà, désactive. Se mettre en micro, s'il vous plaît. Alors. Donc, je vous ai dit que il y a une obstruction, il y a des facteurs, il y a une prédisposition génétique et il y a des facteurs endogènes et des facteurs environnementaux qui interviennent. Après, en gros, qu'est-ce qui se passe dans l'asthme? Vous avez deux mécanismes. En rouge, j'insiste, c'est une inflammation de la muqueuse et cette inflammation, elle est d'origine allergique dans plus de 80% des cas. Et c'est pour ça qu'on va parler surtout ici de l'inflammation allergique. Et vous avez un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, vous avez le système cholinergique dont le médiateur est l'acétylcholine qui a une tendance à la bronchoconstriction, quand on le stimule, il y a une bronchoconstriction. Vous avez le système nerveux adrénergique qui peut être bronchodilatateur et bronchoconstricteur, mais chez un individu normal, c'est la bronchodilatation qui prédomine. Donc, et vous avez le système non adrénergique, non cholinergique, qui peut être à la fois bronchoconstricteur et bronchodilatateur. Et chez un individu normal, il y a un équilibre
avec une tendance à la bronchodilatation. Or, chez l'asthmatique, il y a plutôt une tendance à la bronchoconstriction. Donc, l'équilibre normal n'existe plus. Il y a un dysfonctionnement qui fait qu'il y a une prédominance du tonus constricteur. Donc, on a une tendance à la bronchoconstriction. Alors, le dysfonctionnement, donc, dans l'asthme, vous avez une exagération du système cholinergique. Le médiateur est l'acétylcholine. Le système cholinergique, il est prédominant. Et pourquoi il est prédominant? Pour plusieurs raisons. Et la raison qu'il faut retenir, c'est que c'est un mécanisme complexe. Il y a une exposition anormale des terminaisons nerveuses du système cholinergique au niveau de l'épithélium bronchique, on les appelle les irritants récepteurs. Ils sont facilement stimulés et donc ils entraînent une libération de l'acétylcholine et cette acétylcholine va entraîner une bronchoconstriction. Pour le système adrénergique, on sait qu'il intervient, mais quel est le mécanisme? On ne sait pas. On sait qu'il intervient parce que quand vous donnez un bêta-2 mimétique, un bêta-2 adrénergique, on sait que ça entraîne une bronchodilatation. Mais le mécanisme exact, on ne le connaît pas. En tout cas, le système bronchodilatateur est défaillant, donc adrénergique est défaillant. Et vous avez le système non adrénergique, non cholinergique. Là également, c'est complexe, mais on sait que c'est le système non adrénergique, non cholinergique qui prédomine et vous avez une tendance à la bronchoconstriction. Voilà ce qu'il faut retenir. L'inflammation, elle est d'origine variable, mais elle est surtout d'origine allergique. Si vous vous rappelez la définition, on avait dit que c'est une inflammation de la muqueuse bronchique où interviennent de nombreuses cellules. Nous avons trois cellules, en fait, qu'il faut retenir. Le mastocyte, on reviendra sur le mastocyte quand je vous explique le mécanisme allergique. Le mastocyte, lui, quand il est dégranulé, il va libérer des cytokines qui vont être responsables de l'inflammation et de la bronchoconstriction. La deuxième cellule qui joue un rôle important, c'est l'éosinophile. Il faut savoir que l'éosinophile n'existe pas dans le poumon. Il est recruté à partir du sang. Donc, il est recruté par, on va voir comment il est recruté. L'essentiel qu'il est recruté, ensuite activé. Et lorsqu'il est activé, il va libérer des substances. Ces substances vont être responsables de l'inflammation et de la pérennisation de l'inflammation. Par exemple, les leucotriènes et le PAF acétate interviennent dans l'inflammation et le CP qu'on appelle éosine cationique protéine et le majeur basiques protéines, ils agissent directement au niveau de l'épithélium bronchique, ils entraînent une inflammation directe avec une destruction. Et lorsque l'épithélium est détruit, les terminaisons nerveuses du système cholinergique sont mises à nu et sont facilement stimulables et qui entraînent, donc quand ils sont stimulés, une bronchoconstriction. Vous avez vu le lien entre l'inflammation et la bronchoconstriction. Après, vous avez le lymphocyte qui est une cellule importante. Dans notre organisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la balance TH1-TH2. La balance TH1-TH2, en temps normal, nous avons un équilibre entre la quantité des TH1 et la quantité de TH2. Mais quand on est quand on est allergique, c'est-à-dire on a plutôt un profil TH2, c'est-à-dire qu'on a une réponse lymphocytaire TH2 prédominante. Donc, on produit beaucoup de TH2, où les TH2, quand ils sont stimulés, donc ils libèrent des cytokines comme l'interleukine 4 et 13, qui favorisent la synthèse des IgE. Ces IgE qui vont après se fixer sur le mastocyte, et quand ils sont stimulés, ils entraînent la dégranulation des mastocytes. Ces cytokines également, en particulier l'interleukine 4, va favoriser l'expression de molécules d'adhésion au niveau de l'endothélium vasculaire. Ces molécules ont pour travail de recruter l'éosinophile à partir du sang et qu'il recrute l'éosinophile et l'activer pour pérenniser et amplifier l'inflammation. Il y a d'autres cellules qui interviennent mais d'une manière accessoire comme le macrophage et le polynucléaire. Donc, il faut retenir ça, le mastocyte, l'éosinophile qui n'existe pas dans le poumon, il est recruté et quand on est allergique, on a un profil lymphocytaire TH2 prédominant. Ça veut dire qu'on est capable de fabriquer des IgE. Et si on est capable de fabriquer des IgE, ça veut dire qu'on a un terrain atopique. Donc, l'atopie, c'est cette capacité de produire des IgE.
Voilà, on reviendra sur ça. Alors, pour qu'il y ait une réaction allergique, vous avez deux phases. La première phase, on l'appelle la phase de sensibilisation. La phase de sensibilisation, c'est une première étape obligatoire et l'aboutissement de cette phase, c'est la production des IgE. Ces IgE, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui se passe? L'allergène, il traverse donc la muqueuse bronchique, il est accueilli, donc donc une cellule qu'on appelle la cellule dendritique ou bien CPA, c'est-à-dire cellule présentatrice de l'antigène. Elle va l'accueillir, ensuite, elle va le présenter au lymphocyte TH2. Ce lymphocyte TH2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire des interleukines. La première, les IL-4, IL-13 vont transformer le lymphocyte en plasmocyte et le plasmocyte va sécréter des IgE, va fabriquer des IgE et ces IgE vont se fixer au niveau de mastocyte. Donc, on dit qu'on est sensibilisé lorsqu'on a des IgE fixés sur le mastocyte. Ça, c'est la première phase. Vous regardez également le lymphocyte. Il s'arrête pas là quand il va produire d'autres interleukines qui vont recruter. Rappelez-vous tout à l'heure, ils vont exprimer des molécules d'adhésion au niveau de l'endothélium vasculaire. Ils vont recruter l'éosinophile. Et l'éosinophile, il va sécréter des substances qui vont entraîner une cytotoxicité, une inflammation chronique. Voilà. La deuxième phase, c'est la réaction allergique. Le premier contact, c'est la sensibilisation, l'aboutissement et la fabrication des IgE. Et le deuxième contact, c'est la réaction allergique, c'est-à-dire un deuxième contact avec l'allergène est obligatoire. Cet allergène, il vient directement se fixer sur les IgE qui existent sur le mastocyte. Une fois qu'il arrive à ce niveau-là, il provoque en contact l'allergène, en contact des IgE, il va provoquer la dégranulation du mastocyte. Le mastocyte, quand il est dégranulé, on va avoir deux types de réactions. Il y a une réaction immédiate qui se produit dans 15 minutes, qui va libérer l'histamine et le cotrienne et qui va provoquer une bronchoconstriction. Après, ce mastocyte, il va libérer d'autres cytokines qui vont provoquer l'inflammation, soit directement, soit en recrutant des éosinophiles. Donc, vous avez une phase obligatoire de sensibilisation et la phase de réaction allergique, c'est un contact ultérieur qui aboutit à la dégranulation des mastocytes. Réaction immédiate dans 15 minutes, réaction semi-retardée dans 3 heures qui va libérer des cytokines et qui va être responsable de l'inflammation d'origine allergique. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. On a parlé longuement du virus respiratoire syncytial quand on a parlé de l'asthme du nourrisson. Quel est le rôle du virus respiratoire syncytial par rapport à l'asthme bronchique? Quand on a une infection à VRS, on a une altération de l'épithélium bronchique. Donc, l'inflammation, elle va détruire. Quand on détruit l'épithélium bronchique, les terminaisons nerveuses du système cholinergique deviennent accessibles et stimulables. Et donc, vous aurez une libération accrue de l'acétylcholine. Et même, il stimule la libération de substances par le système nerveux non adrénergique en cholinergique. Mais ce qui nous intéresse par rapport au VRS, c'est par rapport à la création donc de la maladie asthmatique. On dit que le VRS crée l'allergie. Pourquoi? Le VRS, quand on a une infection par le VRS, quand on a à la précédente. Quand on a, par exemple, une infection en VRS, le VRS, il a pour rôle de favoriser la réponse lymphocytaire TH2. C'est-à-dire que l'individu qui fait une infection nourrissant, au lieu d'avoir un équilibre TH1, TH2, il va devenir TH2 et il va entraîner une hyperproduction des IgE. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il crée l'allergie. Également, quand on a une infection, on a une augmentation de la perméabilité membranaire. Et quand on a une augmentation de la perméabilité membranaire, l'allergène, il va pénétrer facilement pour arriver au niveau des mastocytes, donc sensibilisés. Ce qu'on comprend de cette plaque, il y a deux. Ça veut dire que le VRS, il peut
créer l'allergie en favorisant une réponse lymphocytaire TH2 et en même temps l'infection, elle constitue un facteur déstabilisant, aggravant un asthme déjà installé. Voilà. Donc voilà le rôle de l'infection. Bien sûr, il y a d'autres facteurs exogènes qui donc vont aggraver. Ils sont pas des facteurs étiologiques, mais vont aggraver la maladie par donc la desquamation de l'épithélium bronchique. C'est les polluants, c'est les cigarettes et d'autres irritants bronchiques. Voilà. C'est bon? On peut continuer? Vous m'entendez? Oui. Très bien. Voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum pour comprendre un petit peu pourquoi on donne tel médicament, parce que la physiopathologie, elle est un peu plus complexe. Cette partie, c'est pour vous, je vais pas vous poser des questions concernant la physiopathologie, c'est pour vous, pour comprendre un petit peu. On va continuer maintenant. Et donc, je vous ai dit lors de la première plaque que la définition était physiopathologique. Depuis le GINA, c'est le Global Initiative of Asthma. Depuis le GINA 2014, on a une nouvelle définition. La définition qui concerne l'enfant de plus de 5 ans et l'adulte. Dans l'asthme, on sépare l'enfant de plus de 5 ans et l'enfant de moins de 5 ans, parce que c'est différent. Alors, selon le GINA, c'est une maladie hétérogène. En fait, pourquoi on dit hétérogène? Parce que l'expression clinique de l'asthme, on a plusieurs expressions cliniques, comme on va le voir tout à l'heure, qui est caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Là, on l'a vu. Et vous avez deux grandes caractéristiques. Sur le plan clinique, vous trouvez dans les antécédents des symptômes respiratoires en rapport avec une obstruction bronchique. Sifflement expiratoire, dyspnée expiratoire, oppression thoracique, tout, qui sont variables dans le temps. Qu'est-ce que c'est que cette variabilité? Elle est importante, il faut la retenir. Ça veut dire que les symptômes apparaissent et ils disparaissent soit spontanément, soit sous l'effet, au début spontanément, soit sous l'effet d'un traitement bronchodilatateur et ou corticoïde. En intensité, oui, des fois vous avez une toux distraite, des fois vous avez des crises très sévères. Limitation variable du débit expiratoire, ça veut dire que si vous faites une EFR, vous avez une obstruction bronchique, des signes d'obstruction bronchique qui sont réversibles. Voilà. Donc, quand vous donnez un bronchodilatateur, vous avez une disparition de cette obstruction, et cette réversibilité est primordiale pour retenir le diagnostic. Les choses ne sont pas aussi évidentes pour le nourrisson. En 1981, Tabachnik et Levison ont donné la définition suivante que vous connaissez. C'est en fait donc des signes d'obstruction bronchique qui survient chez un nourrisson âgé de moins de 2 ans, qui se reproduisent 3 fois, quel que soit l'âge de début, qu'il y ait ou non une atopie et quelle que soit la cause apparemment des glandes. Autrement dit, quand on fait 3 épisodes de bronchiolite avant l'âge de 2 ans, c'est un asthme. Cette définition avait le mérite de ne pas sous-estimer donc de sous-diagnostiquer des asthmes, même s'il y avait un peu d'excès. Elle nous a beaucoup aidé et elle reste d'actualité jusqu'à maintenant. La Haute Autorité de Santé, dans son document, elle vous dit que d'autres tableaux cliniques peuvent correspondre à un asthme, une toux induite par l'effort, une toux nocturne, une toux chronique ou récidivante, une toux persistante après une bronchiolite, c'est-à-dire que vous avez un enfant qui fait une bronchiolite et il garde une toux au-delà de 4 semaines. Et vous avez l'entité des siffleurs heureux, des bébés siffleurs. Ce sont des bébés qui sont bien, une bonne croissance, bon état général, et quand au moindre effort ou même spontanément, ils sifflent. Avec une croissance normale, les Américains les appellent les happy wazers ou bébés siffleurs heureux. Bref, depuis le GINA 2015, on s'est intéressé plus à l'enfant de moins de 5 ans et on a donné des critères qui nous permettent de mieux définir, si vous voulez, l'asthme chez l'enfant de moins de 5 ans. Avant de vous donner la définition, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Les symptômes chez l'enfant de moins de 3 ans, et quand il fait souvent des signes d'obstruction bronchique.
wheezing, tout, même s'il n'est pas asthmatique. Pourquoi? Parce qu'il a des bronches de petit calibre pour peu qu'il y ait une inflammation. Donc, le calibre est réduit. Et je vous ai expliqué, quand l'air traverse un orifice réduit, vous avez du sifflement et vous avez de la toux. Et donc, si vous avez un enfant de moins de 5 ans et qui siffle à l'occasion d'une infection virale, ça peut correspondre à plusieurs situations. Il peut s'agir d'une simple infection virale. Il peut s'agir d'un asthme saisonnier induit par l'allergène et qu'il est décompensé par l'infection, comme il s'agit d'un asthme jusque-là non identifié et non contrôlé. Le problème, comment faire la distinction entre ces trois cas de figure? Et comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas vraiment faire la différence. Et donc, les experts nous demandent, lorsque vous avez un enfant âgé de moins de 5 ans et qu'il siffle, il vaut mieux évoquer le diagnostic d'asthme. Pourquoi? Parce que on n'a aucun test à cet âge-là. Par exemple, on n'a pas la possibilité de faire une exploration fonctionnelle respiratoire, comme vous allez le voir chez le grand enfant, et poser le diagnostic d'asthme. Vous avez quelques données épidémiologiques, ça également c'est pour vous dire que l'asthme est une maladie fréquente, c'est la plus fréquente de l'enfant de moins de 5 ans et elle constitue un problème de santé publique. L'OMS estime qu'il y a 300 millions d'asthmatiques dans le monde avec une bonne proportion des enfants et elle prédit 400 millions en 2025, c'est énorme. Nous avons fait quelques travaux en Algérie. La prévalence de l'asthme de l'enfant aux dernières études maghrébine, ils disent c'est 4,1%. Mais je pense que c'est beaucoup plus fréquent que ça. Ne vous encombrez pas avec ces chiffres. Il faut savoir que c'est une maladie quand même fréquente et que le décès par asthme existe. L'OMS vous donne 180 000 cas par an. Heureusement, la proportion des enfants est beaucoup faible dans ces 180 000 cas. En Algérie, il y a eu une étude pilotée par l'Institut national de santé publique, tout âge confondu. L'asthme représente 3,3% des causes de décès parmi les maladies respiratoires. Je le répète, c'est des chiffres pour vous, c'est de l'information, vous n'êtes pas obligé de les retenir. Sauf que l'asthme, quand on a un enfant asthmatique, il y a un impact sur le plan familial et sur le plan économique, sur le plan social. D'abord, un enfant asthmatique, quand il n'est pas équilibré, il va avoir une vie complètement perturbée, une scolarité complètement perturbée, et on va compromettre son avenir sur le plan professionnel. Et quand on a un enfant asthmatique à la maison, c'est toute la famille qui est perturbée. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan économique, la prise en charge d'un asthmatique, notamment lorsqu'il n'est pas bien contrôlé, lorsque l'asthme n'est pas bien contrôlé, bien sûr, donc ça coûte cher. Et ça constitue surtout dans les pays à ressources limitées une charge économique importante pour les services de santé. Donc l'asthme, c'est quand même lourd. Vous avez ici quelques facteurs de risque, je répète, c'est la prédisposition génétique, vous avez compris génétiquement. Vous avez l'atopie, vous avez compris, j'ai vu quelques conservations. Effectivement, l'atopie, c'est une définition, si vous voulez, biologique, c'est-à-dire c'est cette capacité de l'organisme à produire des IgE. On n'a pas une symptomatologie clinique. Mais l'atopie, c'est cette capacité de fabriquer des IgE, mais on peut la mettre en évidence également, exactement comme l'a dit un de vos camarades, par la biologie. Nous avons vu le rôle des infections virales. Le VRS est actuellement le rhinovirus dont le développement de la réponse lymphocytaire, mais également dans la
la mère fume pendant la grossesse, elle entraîne une réduction du calibre des branches de l'enfant. Et bien sûr, le fait d'être, d'avoir un terrain atopique et exposé aux aéroallergènes, ça favorise la sensibilisation et ça favorise également l'allergie. Bien. On entre maintenant dans le vif du sujet. Vous avez vu que l'asthme est très fréquent et de plus en plus grave. Et il y a plusieurs sociétés savantes qui s'intéressent à cette maladie. Et en raison de cette prévalence et de gravité croissante, il y a régulièrement une révision des directives pour améliorer la prise en charge de l'asthme. Donc, vous avez l'asthme du grand enfant qui ressemble beaucoup à l'asthme de l'adulte. Et vous avez l'asthme du nourrisson qui est un peu plus difficile, on va voir, pour diagnostic. Alors, ce qu'il faut retenir en priorité en matière d'asthme, dans le temps, une répétition de manifestations d'obstruction bronchique qui peuvent être d'intensité variable, qui peuvent être discrètes, beaucoup plus graves. Donc, c'est cette répétition, du moins au début, parce qu'il y a des formes d'asthme graves où l'individu devient tout le temps symptomatique. Donc, dans l'asthme, vous avez donc des symptômes aigus qui se répètent. Dans les symptômes aigus, on a plusieurs types de symptômes aigus. Parce que la terminologie a un petit peu changé. Tous les symptômes aigus sont appelés crises d'asthme, que ce soit les symptômes de brève durée, que ce soit l'exacerbation ou l'asthme aigu grave. Mais c'est important de les identifier. Par exemple, on a les accès paroxystiques de brève durée. C'est quoi? C'est de la dyspnée, de l'oppression thoracique, sifflement, toux, volonté nocturne, mais qui régresse, qui dure vraiment très peu, mais qui régresse spontanément ou rapidement sous bêta 2 mimétique. Il n'y a pas de fièvre, et si vous mesurez le débit expiratoire de pointe pendant ces accès, vous ne le trouvez pas. Ces accès, en général, sont déclenchés par un certain nombre de facteurs. L'infection virale, on a vu, un contact avec un allergène, un effort. Là, c'est votre rôle pour essayer d'identifier le facteur déclenchant pour voir si on a la possibilité de l'éviter. Et chaque accès aigu, il est précédé par des prodromes. Les prodromes, ce sont les signes annonciateurs d'une crise aiguë, que ce soit de brève durée ou de longue durée. Ces prodromes sont constants. Ils sont les mêmes chez un enfant. Ils varient d'un enfant à un autre, mais ils sont toujours les mêmes chez un enfant. Ils peuvent être d'origine respiratoire, ils peuvent être d'une autre origine, on n'explique pas, douleur abdominale par exemple, une rougeur du visage. Et le fait que ça se répète à chaque fois et que ça précède les crises, la maman vient spontanément, elle vous dit, à chaque fois qu'il a le visage rouge, je sais que dans les quelques heures qui suivent, il va faire sa crise. Donc, vous, en tant que médecin, essayez de l'identifier parce qu'on peut faire une action préventive à ce stade-là et donner des bronchodilatateurs à domicile pour éviter la crise. Voilà. L'exacerbation sont des symptômes respiratoires qui vont durer plus de 24 heures, qui peuvent s'installer progressivement ou aigus et qui peuvent nécessiter. Donc, il y a la durée 24 heures. Généralement, c'est des symptômes qui ne répondent pas aux bronchodilatateurs et souvent, ils nécessitent le recours aux corticoïdes par voie générale, voire même la consultation ou voire l'hospitalisation aux urgences pédiatriques. Donc, une exacerbation, ça dure 24 heures, ça s'installe progressivement ou et vous avez l'asthme aigu grave, c'est ce qu'on appelait avant l'état de mal asthmatique. L'asthme aigu grave, c'est une crise d'asthme qui résiste aux traitements bronchodilatateurs et corticoïdes bien conduits et qui a donc une symptomatologie, on va voir. Donc, à côté de ça, il y a tout un tableau clinique qui évoque un asthme aigu grave. Mais au préalable, tout enfant qui se présente pour un asthme une symptomatologie en rapport avec un asthme, vous devez chercher les facteurs qui vous font craindre la survenue d'un asthme.
dans l'année précédente. L'enfant qui est sous corticoïde ou bien qui a été sevré récemment, lorsqu'il consomme beaucoup de bêta 2 mimétique de durée d'action, par exemple, en raison par flacon, il a s'il a été déjà là, il y a deux cas de figure. Soit que le médecin traitant n'a pas su évaluer le niveau de contrôle et ne traite pas suffisamment, soit que le niveau de contrôle a été bien évalué si les parents ne suivent pas le traitement, problème de compliance. Et ça peut être une crise inaugurale. Quel est le peur, il est cyanosé, c'est des signes d'hypercapnie, il a des troubles de la conscience allant de l'agitation, somnolence, voire le coma, il y a des troubles neurovégétatifs, bradycardie, tachycardie, HTA, hypotension, et parfois vous avez des accidents mécaniques. Quand vous faites les gaz du sang, vous allez trouver une hypoxie hypercapnie. Attention, c'est pas la peine de mesurer le DEP ici, non seulement il est inutile, l'enfant il est bloqué, et si vous lui demandez de souffler dans un débitmètre, il risque de faire donc s'aggraver. Donc, c'est dangereux. Quand vous avez un tableau comme ça, c'est l'urgence par excellence et c'est le transfert immédiat en soins intensifs. Donc, quand vous recevez un enfant qui a une crise aiguë, vous allez rapidement faire une enquête pour évaluer la sévérité de cette crise. Est-ce que ce sont de simples symptômes? Est-ce que c'est une exacerbation ou bien un aspect aigu grave? Donc, vous précisez lors du début de la crise le traitement qui a été donné au corps, à domicile. Il faudra, si l'enfant est en âge de comprendre, de répondre, est-ce que c'est la première fois qu'il ressent cette symptomatologie ou bien il a l'habitude d'avoir cette symptomatologie. Il faudra voir le traitement de fond, est-ce qu'il est bien fait ou non, et les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Vous faites un examen somatique complet, les constantes, le sifflement, l'état de conscience, l'auscultation, la saturation, éventuellement le DEP s'il n'est pas en asthme aigu grave. Vous cherchez un pneumothorax ou bien un un emphysème sous-cutané, c'est en rapport des complications mécanique, et vous mesurez, vous voyez si l'enfant est fébrile, est-ce qu'il n'a pas une infection qui a décompensé cette asthmatique. La radiographie du thorax n'est pas systématique. Vous la faites si la crise vous paraît sévère et si vous suspectez une complication, que ce soit mécanique ou bien une surinfection. Voilà. Et donc, vous avez sur cette plaque un certain nombre de paramètres qui vous permettent facilement d'évaluer la sévérité de votre crise aiguë. Et là, donc c'est l'enfant, vous évaluez la dyspnée, et la parole, est-ce qu'il parle normalement ou il est complètement aphone, la coloration, l'état de conscience, la fréquence respiratoire, l'auscultation. Je vous dis, plus vous avez des sibilants, plus c'est rassurant. Vous commencez à vous inquiéter lorsque le murmure vésiculaire commence à diminuer. Vous pouvez prendre un DEP avant et après le bronchodilatateur. Bonne réversibilité, ça craint. Si vous avez la possibilité de faire une gazométrie, sinon une saturation fait l'affaire. Et la chose qui est importante, si vous avez un seul signe de gravité, vous basculez. Par exemple, vous avez la première colonne, vous avez tout, sauf la saturation inférieure à 90, là on est dans un cas de figure de gravité. Donc, vous n'attendez pas tous les éléments. Il suffit qu'il y ait un seul élément pour dire que c'est grave. Et cette évaluation, si l'enfant, la symptomatologie, et c'est fréquent, peut être atypique. Vous n'avez pas la crise d'asthme typique. La plupart des enfants, vous n'avez ni sibilant, vous n'avez ni musique, rien du tout. C'est des accès de tout. Souvent, les parents consultent, ils traînent, on essaie les antitussifs, ça marche pas, on essaie les antibiotiques, ça marche pas, il suffit de donner des corticoïdes bronchodilatateurs pour que ça marche.
Ça, c'est un tableau clinique assez fréquent en pédiatrie. Et vous allez voir, c'est dans cette rubrique-là qu'il va falloir faire une faire pour confirmer le diagnostic. Le deuxième cas de figure, c'est l'asthme induit par l'exercice. C'est quand on a un asthme non contrôlé, il y a une mauvaise tolérance de l'effort. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle des enfants qui sont bien et qui se mettent à siffler ou à tousser lorsqu'ils font un effort. L'asthme induit par l'exercice, c'est un enfant qui, par exemple, fait un effort. Pendant l'effort, il n'a aucune symptomatologie. Et après, à la fin, au décours de l'effort, il présente des symptômes, que ce soit toux, wheezing, sifflement, etc. Il faudra le différencier de la dyspnée d'effort. La dyspnée d'effort, elle survient pendant l'effort et elle s'arrête à l'arrêt de l'effort. L'asthme induit par l'effort ou la dyspnée induite par l'exercice, elle n'apparaît pas pendant l'exercice, elle apparaît après l'exercice. Bon, ça, c'était l'asthme du grand enfant. Chez le nourrisson, je vous ai dit tout à l'heure que ces trois épisodes de bronchiolite égale asthme. Mais on a d'autres aspects possibles. Un wheezing continu, des épisodes de dyspnée modérée et une toux spasmodique comme chez le grand enfant avec ou sans sibilant en fin de toux. En dehors de toute infection virale, ça survient surtout la nuit, lors d'un effort du rire, du pleurer, épisode d'agitation, ou bien quand on passe, par exemple, du chaud au froid, ou bien quand on est dans une atmosphère polluée, comme un salon de coiffure, par exemple. Ou bronchiolite répétée. Je vous ai dit que bronchiolite, c'est premier ou deuxième épisode. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Très bien. Donc, premier ou deuxième épisode, c'est au-delà du troisième, on n'a plus le droit de dire bronchiolite. Après l'âge de 2 ans, on n'a plus le droit de dire bronchiolite. Ça, je veux que vous le gardiez dans votre tête. Voilà. Et les gens ont tendance à donner des définitions complètement erronées. Mais ce que je vous demande, c'est que lorsque vous avez des signes d'obstruction bronchique et que ça récidive chez un nourrisson, ça, c'est très évocateur d'un asthme. Voilà. Après, le problème qui se pose chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sifflent et on retient le diagnostic d'asthme parce que ça se répète, etc. et on traite comme asthme. Et les parents nous posent toujours la question, est-ce que mon enfant restera asthmatique? Donc, le problème de l'enfant d'âge de moins de 5 ans, c'est après, ultérieurement, après l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est une question où les parents vous demanderont, est-ce que maintenant, oh, il siffle, et après, est-ce qu'il va rester comme ça? Et parce qu'on sait que dans cette cohorte d'enfants qui sifflent, il y a une bonne proportion qui va s'arrêter de siffler après l'âge de 6 ans. Mais comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas d'éléments palpables qui nous permettent de prédire cette évolution. Quand même, il y a des auteurs qui ont suivi des cohortes. La cohorte, c'est quoi? Ils ont pris des enfants depuis la naissance, ils les ont suivis. Et la cohorte la plus célèbre, c'est la cohorte de Tucson. Et ce suivi nous a permis de comprendre l'histoire naturelle de l'asthme du nourrisson. Par exemple, monsieur Martinez, à Tucson, dans l'Arizona, il a suivi les enfants depuis leur naissance on a un recul de 42 ans. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est 11 ans. Lui, il a pu constater que il avait trois situations. La première situation, c'est celle des siffleurs transitoires. C'est-à-dire, c'est des enfants qui sifflent les 3 premières années de la vie et qui s'arrêtent de siffler après l'âge de 3 ans ou 6 ans. Le deuxième, c'est la partie la plus importante. Donc, si vous voulez, c'est la grande proportion. La plupart des enfants sont dans le deuxième
cas de figure, c'est les siffleurs persistants. Ils sont minoritaires, mais ils existent. C'est des enfants qui ont sifflé avant l'âge de 3 ans et qui continuent à siffler. Et il y a les siffleurs tardifs, c'est-à-dire avant l'âge de 3-6 ans, ils n'ont jamais sifflé et ils commencent à siffler après l'âge de 6 ans et ce sont là les asthmatiques avec un terrain atopique. Donc, siffleurs transitoires, siffleurs persistants et siffleurs tardifs, c'est-à-dire qu'ils ne sifflent pas avant l'âge de 3 ans, etc. Après, il y a d'autres gens, justement, avec pour prédire l'évolution, ils ont essayé de voir les facteurs déclenchants de ces sifflements. Vous voyez qu'on parle de sifflement et on parle pas d'asthme, en fait. Alors, ils ont deux catégories. Ils ont dit qu'il y a une catégorie de nourrissons qui sifflent à l'occasion d'une infection virale et entre les infections virales, ils ne sont pas symptomatiques, on les appelle les siffleurs épisodiques viraux induits. Et il y a les siffleurs à facteurs déclenchants multiples où il y a un terrain allergique important. Voilà. Donc, si vous voulez, donc là, à partir du moment où il ne fait pas d'infection, il ne siffle pas. Par contre, le deuxième, il siffle à tout bout de champ. Mais le suivi de ces enfants a montré qu'on peut passer d'un groupe à un autre. Il y a un chevauchement. Un siffleur viraux induit peut devenir un facteur déclenchant multiple, etc. Ce que l'on a compris, c'est que ces phénotypes sont instables dans le temps. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que cliniciens, c'est lorsqu'on est devant un enfant qui fait un sifflement répété, on va le considérer comme asthme. Et ces études de cohorte ne nous disent pas est-ce qu'il faut le traiter, est-ce qu'il ne faut pas le traiter. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce que les cliniciens ont fait? Ils ont dit qu'on va faire une approche probabiliste. On va raisonner. On va analyser la fréquence des symptômes, la gravité des symptômes pendant l'accès entre les infections virales, et on va décider qui traiter et qui n'est pas traité. En fait, ce qui nous intéresse enfin, c'est de poser le diagnostic d'asthme, de traiter un asthme qui est très symptomatique, même si on ne va pas mettre l'étiquette d'un asthme définitif maintenant, ça ne sert à rien. On va voir, on attendra l'évolution, et c'est l'évolution qui va montrer est-ce que c'était un simple siffleur transitoire. Pour savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traiter les symptômes, et de toute façon, l'histoire naturelle ne sera pas modifiée. Si cet enfant-là sera asthmatique, il va le devenir. Donc, notre objectif, c'est de les traiter maintenant et de les surveiller. Et donc, ces études de cohorte, quand même, ils ont un avantage, c'est qu'ils nous ont permis d'identifier un certain nombre de facteurs de risque de persistance de la maladie asthmatique au-delà de 3 ans. Vous avez sur cette plaque les facteurs de risque majeurs, l'existence d'un asthme chez un des parents, le tabagisme parental, surtout maternel, nous avons dit que ça réduit le calibre des bronches. Lorsque l'enfant a une dermatite atopique et lorsqu'il a, il est sensibilisé à un aéroallergène respiratoire, comme les pollens, comme les acariens, etc. Et les critères mineurs, c'est la sensibilisation à un trophallergène. Trophallergène, ça veut dire allergène alimentaire, comme l'œuf, l'arachide, le lait de vache. Et lorsque l'enfant siffle en dehors des infections et l'hypereosinophilie. Et donc, ces facteurs-là vont nous servir de calculer ce qu'on appelle l'index prédictif d'asthme. C'est quoi cet index prédictif d'asthme? C'est lorsque votre enfant, avant l'âge de 3 ans, a fait 4 épisodes de sifflement, dont un, on exige au moins un qui a été diagnostiqué par un médecin, plus un critère majeur ou bien 2 critères mineurs. Si on a tout ça, on va dire que l'index prédictif d'asthme est positif et le risque de persistance d'asthme est multiplié par 10 à l'âge de 6 ans et multiplié par 7 à l'âge de 10 ans. Attention, s'il est positif, ça rend la persistance très probable, mais s'il est négatif, ça n'élimine pas cette éventualité. Au moins, si vous avez ces critères, vous pouvez répondre aux parents et dire, voilà, votre enfant, il risque de voir cette symptomatologie persister au-delà de 3 ans. Voilà. Ça va? Ça va? Les enfants? Très bien. On va continuer maintenant. Comment? La démarche diagnostique. Les objectifs de cette démarche diagnostique, c'est poser le diagnostic d'asthme,
approche étiologique et évoluer la sévérité. Et vous savez très bien la sévérité. On parle plus de sévérité, on dit évoluer le niveau de contrôle de la maladie. Mais indirectement, moi, c'est la sévérité. Alors, vous faites un interrogatoire minutieux. Vous détaillez les antécédents, la période néonatale, les antécédents familiaux. Vous voyez si l'enfant a un eczéma, un stridor. Stridor, c'est quoi? C'est un bruit inspiratoire depuis la naissance. Si l'enfant a des troubles digestifs, vomissements, régurgitation, précisez la nature des symptômes, les facteurs déclenchants, l'évolution de la symptomatologie, s'il est traité, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il répond pas, l'entourage, le mode de garde, est-ce qu'il est dans une collectivité où il nourrisse, le retentissement sur l'effort, la tolérance de l'effort, l'absentéisme scolaire, la qualité du sommeil, entre les symptômes, est-ce qu'il entre les accès aigus, est-ce qu'il est symptomatique ou non symptomatique. Et vous voyez si l'asthme est connu, le niveau d'éducation de l'enfant s'il est âgé et des parents, et bien sûr vous détaillez l'environnement social et domestique. Domestique, c'est-à-dire la maison, social, par exemple, est-ce qu'il est proche d'une usine ou bien proche d'une forêt, etc. Tout ça, c'est très important. Vous faites un examen clinique complet. Le poids, la croissance est très importante. Les yeux et la peau, c'est pour voir s'il n'y a pas, par exemple, un eczéma ou bien une conjonctivite allergique. La cyanose, c'est par rapport à une cardiopathie cyanogène, par exemple. L'auscultation pulmonaire, un examen somatique complet, en tous les cas. L'état du nez, etc. Alors, pour les examens complémentaires, il faut toujours faire une radiographie du thorax de face en inspiration, en expiration. Une première radiographie du thorax est obligatoire. Il y a certaines recommandations qui ne la demandent pas. Nous, on la demande parce que c'est important pour le diagnostic. Il faut toujours s'assurer qu'il y a une radio. La radio du thorax d'un asthmatique est une radio normale. Elle est distendue. Si vous avez une radio anormale, c'est pas un asthme. Ça, il faut le retenir. La radiographie du thorax de face d'un asthmatique, elle est normale, il y a juste une petite distension. Si vous avez d'autres anomalies, vous n'êtes pas donc en face d'un asthme. On fait un bilan allergologique, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge, on peut le faire, il faut juste s'assurer de la bonne réactivité cutanée. Donc, par un test témoin positif et un test témoin négatif. C'est quoi? La peau, donc, qui est normoréactive. Si vous lui injectez de l'eau, elle ne réagit pas. Ça, c'est le témoin négatif, par exemple. Et si vous injectez de l'histamine, vous allez avoir une réaction, une papule. Voilà. Donc, une peau normoréactive, c'est ça. Une peau hyperréactive, si vous injectez de l'eau, elle réagit. Et une peau hyporéactive, donc si vous injectez l'histamine, elle ne réagit pas. Et donc, vous risquez d'avoir des tests faussement, soit faussement positif, soit faussement négatif. Donc là, l'allergologue, oui, il connaît son travail, mais vous, quand vous recevez le résultat, il faut toujours vérifier votre ordonnance si il a mis témoin était positif. S'il met témoin était positif, ça veut dire que les tests sont validés. Quel type de test nous allons faire? Là, c'est en fonction de l'âge. Ce que je demande de vous faire, c'est-à-dire chez l'enfant âgé de moins de 5 ans, on fait le pneumallergène classique. On les fait systématiquement, DTP, DTF, c'est les acariens, chat, chien, pollen de graminée. Et on fait également chez le tout petit les allergènes alimentaires. Mais chez le plus de 5 ans, on a des pneumallergènes classiques, les acariens, les poils d'animaux et les pollens de graminée. Et bien sûr, en fonction de votre interrogatoire, vous pouvez identifier d'autres allergènes et vous dites à l'allergologue, voilà, vous voulez tester tel ou tel allergène. En général, les IgE spécifiques, on les demande pas. Les IgE spécifiques, quand vous dites IgE spécifique, ne dites pas IgE spécifique. Vous dites, par exemple, IgE anti-DTP. Il faut préciser l'allergène que vous voulez tester. En général, ça coûte cher. On les demande lorsque on peut pas faire les tests cutanés parce que la peau, elle est hyper-réactive ou bien lorsqu'il y a une discordance entre votre interrogatoire et les résultats des tests cutanés. Ce qu'il faut pas demander, c'est les IgE au total. Vous savez que les parasitoses peuvent vous donner des IgE au total. Les tests multi-allergéniques, ça coûte cher et ça n'apporte rien du tout. Et le dosage des éosinophiles dans les sécrétions nasales, ça ne sert à rien. Voilà.
Il faudra évaluer la fonction respiratoire, on reviendra sur ça. Il faut savoir que chez le nourrisson, on n'a pas les moyens. Il faut juste, on cherche cette évaluation de la fonction respiratoire, elle est importante, notamment quand il y a des équivalents d'asthme. Et ce qu'on cherche, c'est la réversibilité. Vous avez deux cas de figure. Soit vous trouvez une obstruction et vous allez donner de la ventoline, un bronchodilatateur et une augmentation de 12% du VMS est significative, ça veut dire que c'est réversible. Soit, si vous n'avez pas d'obstruction, vous faites un test de provocation et un test de réversibilité. Voilà, on reviendra sur ça tout de suite. C'est pas la peine de vous encombrer avec les méthodes. Alors, vous voyez, quand ça, c'est une astuce, c'est juste pour vous. Quand vous voyez, on n'est pas des experts en matière d'exploration, mais il faut apprendre à analyser la courbe. Regardez le pointillé, c'est une courbe de spirométrie normale. Et lorsqu'on a un syndrome obstructif, vous avez cette concavité. Voilà. À l'expiration, vous voyez. Donc ça, quand vous mettez, il faudra donc photographier cette image. Quand vous avez une courbe comme ça, ça veut dire qu'il y a une obstruction. Et regardez ici également, par exemple, le premier en bleu, c'est l'obstruction, et en rouge, c'est la réversibilité, et en vert, c'est la normalité. C'est-à-dire quand vous avez une obstruction et vous faites un test de réversibilité, vous n'exigez pas le retour à la normale. Vous exigez juste une augmentation de 12%. Voilà. Et si vous avez une augmentation, ça veut dire que les branches sont réversibles et vous avez votre réversibilité. Voilà. Amélioration du VMS, 12%. La mesure du DEP est intéressante. C'est une méthode grossière qui nous permet d'avoir une idée sur l'état des grosses branches. Là, par exemple, ça serait bien d'avoir un débitmètre chez, par exemple, un patient à domicile. Et il peut évaluer donc la fonction respiratoire quand il n'est pas certain que ça soit une décompensation et pour avoir de temps en temps une idée sur l'équilibre de sa maladie. Et le DEP, c'est des valeurs qu'on exprime en litres par minute et on voit, donc par rapport à la valeur, elle est interprétée en fonction de la taille de l'enfant. Et on compare. En général, avec une valeur de référence qui existe avec le débitmètre, ou bien c'est une valeur de référence que vous pouvez vous-même, c'est-à-dire la mettre quand l'enfant est stable, vous lui demandez de souffler dans le débitmètre et après, vous pouvez donc elle vous sert comme valeur de référence. Bref, regardez ici, donc. Les variations. On dit que un enfant, on compare par exemple les valeurs du DEP au feu de la circulation. Il est donc feu vert lorsqu'il est à 80% de la valeur théorique. Il est orange quand il est entre 80 et 60%. Ça veut dire qu'il est obstrué, mais c'est pas la catastrophe. Il est en zone rouge, très grave, alarmant lorsqu'il est inférieur à 60% de la valeur théorique. Vous faites une règle de 3 et vous le calculez. Vous savez ici. La taille en centimètres et vous avez les valeurs de référence que vous pouvez utiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plusieurs modèles de débitmètre. Vous avez en haut donc le débitmètre rouge et blanc. Vous voyez le curseur. Ce curseur-là, on demande à l'enfant de faire une inspiration, une bonne inspiration et il expire profondément dans le débitmètre. On lui demande de faire 3 essais et vous retenez la valeur la plus élevée. L'objectif étant de faire déplacer le curseur et là où il s'arrête, vous allez avoir la valeur. Voilà. Attention, il faut pas aller au-delà de 3 épisodes parce que l'effort peut déclencher un bronchospasme. Et là, on peut avoir donc une idée à peu près sur donc l'état de l'enfant. C'est bon, ça va? Ça va, les enfants? Oui, ça va. Voilà, je sais que c'est barbant, mais j'essaye d'être la plus claire possible. Voilà, le diagnostic positif. Donc, chez l'enfant de plus de 5 ans, c'est les symptômes respiratoires et l'obstruction variable. Donc, voilà, vous avez sur cette plaque les symptômes.
qui peuvent exister tous chez le même individu, ou bien vous pouvez avoir un seul symptôme. Vous avez sur cette plaque les caractéristiques, donc c'est des signes d'obstruction bronchique, et vous avez ici, donc, soit que l'enfant est obstrué, et on dit qu'il est obstrué lorsque son VEMS est diminue de 20% de la valeur théorique. Ce que nous cherchons, nous, c'est la réversibilité. Cette réversibilité, après le test au bronchodilatateur, augmentation de 12%, et certains, ils peuvent carrément donner un traitement de fond par corticostéroïde inhalé et tester donc le VEMS. Si vous avez une augmentation de 12%, ça veut dire que c'est réversible et ça veut dire que c'est tenace. Regardez l'algorithme suivant. Lorsque vous avez un enfant qui a des symptômes respiratoires typiques d'asthme, donc vous faites un examen clinique, tous les éléments sont en faveur d'un asthme, vous faites une EFR avec une réversibilité, le diagnostic d'asthme est retenu, vous allez traiter en fonction du niveau de contrôle. Si les symptômes ne sont pas typiques, vous allez faire d'autres explorations et rechercher d'autres diagnostics. Si vous avez trouvé, vous traitez en fonction du diagnostic. Si vous ne retrouvez pas, vous pouvez refaire un autre bilan d'asthme et voir donc peut-être qu'on n'a pas très bien évalué la première fois. Il y a des situations où il y a une urgence clinique, c'est-à-dire que l'enfant est très symptomatique, on peut ne pas faire tout de suite l'EFR, on peut mettre donc le traitement corticostéroïde bronchodilatateur et évaluer la réponse 1 à 3 mois après. Il faut savoir que en consultation normale, hein, je ne parle pas des urgences, l'examen physique est souvent très très normal, hein, quand l'enfant vient en consultation. Et si vous constatez un sifflement expiratoire à l'auscultation, surtout en expiration forcée, ça a beaucoup de valeur pour le diagnostic. Voilà. Mais, attention, je répète, une radiographie du thorax de l'asthmatique est normale. Si vous avez la moindre anomalie, ça peut être une primo-infection tuberculose, asymétrie d'un côté atélectasie, d'un côté distension, ça peut être un corps étranger. Si vous avez des foyers de troubles de la ventilation dispersée, de l'atteinte interstitielle, ça peut être une mycoviscidose, ça peut être une DDB. De toute façon, on va pas faire une exploration systématique. C'est votre analyse clinique qui va orienter la demande des examens complémentaires. Le diagnostic chez l'enfant de moins de 5 ans, il est beaucoup plus difficile. Donc, les critères qui ont été donnés par le GINA sont les suivants. Diagnostic est probable si vous avez des signes d'obstruction bronchique, toux, wheezing, difficulté expiratoire, voilà, respiratoire. Si vous avez des antécédents personnels et familiaux d'atopie, l'existence d'atopie, elle est importante, mais si elle n'existe pas, ça n'élimine pas. Et vous avez le test thérapeutique. Donc, les symptômes, vous les avez ici. Toux récidivante ou persistante qui s'aggrave, on l'a vu déjà. Le sifflement, les difficultés respiratoires. C'est un enfant, quand on le compare aux autres, il ne joue pas, il ne court pas avec la même intensité. Quand vous avez des antécédents familiaux, c'est les antécédents d'allergie, c'est les parents de premier degré, c'est-à-dire d'abord la mère et le père. Et ensuite, les frères et sœurs. Ça ne compte pas les collatéraux. Et le test thérapeutique. Donc, le diagnostic, c'est surtout le test thérapeutique. C'est-à-dire, vous allez mettre votre enfant, il a toute la symptomatologie. Vous allez le mettre sous corticostéroïde inhalé avec des bronchodilatateurs de courte durée d'action à la demande. Et s'il y a une réversibilité de symptômes, c'est un asthme. Et surtout, si donc vous avez une aggravation lorsque vous arrêtez donc le traitement. Vous cherchez une composante allergique, on l'a déjà vu, voilà, et vous avez également la radiographie du thorax, vous la demandez si vous doutez du diagnostic, et on fait une étude de la fonction, on ne fait pas d'étude de la fonction respiratoire chez les jeunes, c'est extrêmement difficile. Dans les pays développés, ils font la fraction d'oxyde nitrique dans l'air expiré, donc ça oriente le diagnostic, mais c'est trop cher, de toute façon chez nous, on n'a pas. Donc,
L'atopie, elle est présente chez la majorité des asthmatiques. Si elle est absente, elle n'élimine pas le diagnostic. Donc, c'est en récapitule, c'est les symptômes, c'est les antécédents d'atopie et c'est le test thérapeutique qui permettent de retenir le diagnostic de l'asthme chez l'enfant de moins de 5 ans. Le diagnostic différentiel, on dit tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et tout asthme ne siffle pas. Nous avons vu que il y a chez l'enfant, il y a des asthmatiques qui ne sifflent pas, qui toussent uniquement. Mais tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Et donc, c'est à vous de chercher un diagnostic différentiel lorsque vous avez des symptômes inhabituels. Par exemple, un problème de croissance. Un asthme ne retentit pas sur le développement staturopondéral. Une cyanose persistante en dehors des crises, c'est pas de l'asthme. Lorsque les symptômes ont débuté chez le nouveau-né, c'est pas de l'asthme. Il n'y a pas d'asthme qui se débute chez le nouveau-né. Lorsque vous avez des vomissements qui sont associés aux symptômes respiratoires, quand on a un sifflement continu, l'asthme, c'est par accès. Et on a, du moins au début, des épisodes interprésiques asymptomatiques. Lorsque votre enfant ne répond pas aux tests thérapeutiques, lorsque, par exemple, d'autres facteurs de risque comme des rhinites virales, lorsque vous avez un hypocratisme digital, une hypoxémie en dehors d'une infection virale. Donc, il faudra chercher des symptômes inhabituels. Donc, l'asthme, c'est une obstruction bronchique en général qui répond au traitement avec un terrain atopique, avec une radio distendue, sans autre anomalie. Voilà. Et donc, vous allez demander les examens en fonction de l'orientation clinique. Je répète, on n'est pas systématique. Vous avez ici sur cette plaque une liste non exhaustive des pathologies qui peuvent ressembler à un asthme. Regardez ici, dyskinésie par exemple, je vous dis, ça c'est du domaine du spécialiste, la dyskinésie, ici vous avez un stridor en général. Mécanique par exemple, un corps étranger, vous avez à la radiographie du thorax des anomalies. La tuberculose en bas à la fer, vous allez trouver des anomalies. La mucoviscidose, il y a des anomalies. Le reflux, vous avez des vomissements, il y a des troubles de la déglutition, des régurgitations. Alors sur le plan pour les cardiopathies, vous avez donc de la cyanose parfois, vous avez des souffles à l'auscultation, vous avez une cardiomégalie et vous avez également en cas de déficit immunitaire des enfants qui font des otites, qui font des infections, ORL répétées, des infections pulmonaires. Donc c'est une analyse minutieuse qui vous permet de vous orienter et vous demander en fonction de la suspicion les examens que vous voyez sur cette plaque. Alors, le diagnostic étiologique, l'allergie est responsable en plus de 80% des cas et nous avons vu tout à l'heure comment on explore, c'est les tests allergologiques en s'assurant de la bonne réactivité cutanée. Les infections virales, nous avons vu le rôle du VRS, mais en général, les infections virales sont responsables du non-contrôle de l'asthme. Il faut savoir toujours que chez un enfant qui n'est pas contrôlé, chercher une sinusite, chercher une adénoïdite et traiter là parce qu'elle peut empêcher l'obtention du niveau de contrôle de la maladie. Le problème du reflux gastro-œsophagien et de l'asthme, on sait que le RGO peut être responsable de pathologie obstructive. Et là, si vous avez un asthme chez un enfant de moins de 3 ans que vous n'arrivez pas à contrôler, là, vous pouvez faire une pH-métrie à la recherche d'un reflux gastro-œsophagien. Les déficits immunitaires, donc les déficits en IgA, en IgG, là, vous êtes orienté par la clinique. Donc, et ces infections ont un rôle de décompensation. Et ce que j'insiste là, les facteurs environnementaux ne sont pas des facteurs étiologiques, je les mets ici parce qu'ils contribuent au déséquilibre, au non-contrôle de la maladie asthmatique. Est-ce que ça va? Les enfants? Oui. Ah, très bien. Donc, on va maintenant… l'étape suivante, nous avons dit que on va faire le diagnostic positif, on va voir le diagnostic étiologique, après on va évaluer la sévérité. Et là, donc pour évaluer la sévérité ou le niveau de contrôle, je vous ai dit en début du cours qu'il y avait beaucoup de sociétés savantes qui s'intéressaient donc à l'asthme. Et donc, vous pouvez consulter, vous trouvez plusieurs classifications. Mais nous, ici,
chez l'enfant de moins de 4 ans, de 5 ans, je vais vous donner deux classifications et vous utilisez celle qui vous paraît la plus facile, celle donc de la haute autorité de santé qui est facile à retenir et celle du GINA. Et pour le grand enfant, on va rester au GINA. Voilà, au Global Initiative of Asthma. Et donc, avec votre enquête étiologique, vous allez pouvoir évaluer la sévérité. Par exemple, la haute autorité de santé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des paramètres cliniques. Elle prend la fréquence des symptômes diurnes, les symptômes aigus. Rappelez-vous, les symptômes aigus qui diurnes, ça veut dire les symptômes le jour. Symptômes nocturnes, ça veut dire les nuits. Et elle apprécie le retentissement sur les activités, c'est-à-dire la tolérance de l'effort, la réponse au bêta-domimétique de courte durée d'action et les exacerbations. Rappelez-vous, exacerbations, c'est des symptômes qui durent plus de 24 heures et qui nécessitent parfois une corticothérapie générale et ou le recours aux urgences pédiatriques. Et donc, pour les symptômes, on va analyser les quatre dernières semaines qui précèdent la consultation. Parce que quand on s'occupe d'une consultation d'asthme, on se rend compte que les parents ne se rappellent pas ce qui se passe depuis la dernière consultation. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'analyser le dernier mois, les quatre dernières semaines qui ont précédé la consultation. Et donc, on va essayer d'analyser la fréquence des symptômes et tout ça. Et les exacerbations, par contre, on va voir ce qui s'est passé en matière d'exacerbation, parce que ce sont sur les 6 à 12 derniers mois qui ont précédé la consultation. Pourquoi? Parce qu'une exacerbation, ça marque, parce que ça motive la consultation, les parents sont perturbés, etc. Mais les petits symptômes, en général, ça peut passer inaperçu. Et donc, vous voyez sur la première colonne, vous dites l'asthme est intermittent quand les symptômes sont rares. Vous avez moins d'un épisode par semaine pour les symptômes diurnes, moins d'un épisode par mois pour les symptômes nocturnes, aucune tolérance sur aucun retentissement sur l'effort et bien sûr si vous avez donc des symptômes, moins de très peu de recours au bêta-2-mimétique. Et au moins vous avez une seule exacerbation sur l'année. Là, on dit que c'est un asthme intermittent. C'est important de voir. Et vous voyez que l'asthme, il devient persistant. Persistant, vous, persistance des symptômes. Il est de léger à modéré lorsque vous avez plus de 2 symptômes par semaine sur un journalier, plus de 2 réveils nocturnes, un léger retentissement sur l'effort et vous avez bien sûr un recours plus fréquent au bêta-2-mimétique. Et vous allez avoir plus de 2 exacerbations sur les 6 derniers mois. Et l'asthme persistant, ça veut dire que vous avez plus de symptômes qui sont de plus en plus fréquents. Et on a une autre entité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit les asthmes, asthme viro-induit. L'asthme viro-induit, c'est un sifflement qui est induit par les infections virales, mais entre les symptômes, il est asymptomatique. Entre les accès aigus. Mais un auteur, il a rajouté, il dit que même si l'enfant ne fait pas beaucoup de symptômes et qu'il fait des exacerbations plus fréquentes et sévères, il doit être considéré comme un asthme persistant sévère. Voilà. En ce qui concerne le GINA, on n'utilise plus le GINA de 2004 qui classe les symptômes en fonction de la fréquence des symptômes et de la sévérité. On utilise en fonction du niveau de contrôle. Le contrôle, c'est quoi? De l'asthme, on a 2 champs. Il y a le contrôle des symptômes, c'est toujours les 4 dernières semaines qui précèdent la consultation. Et le GINA, en plus des contrôles de symptômes, elle cherche les facteurs de risque qui nous font craindre une évolution grave. Une évolution grave, comme la survenue d'exacerbation, la survenue d'une obstruction bronchique fixe et une mauvaise tolérance aux médicaments. Donc, elle analyse les symptômes et elle cherche ces facteurs de risque. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour l'évaluation du niveau de contrôle de l'asthme au-delà de 5 ans, vous allez voir, là, c'est à peu près les mêmes items, c'est les symptômes transitoires dans la journée, c'est-à-dire bref, plus de 2 fois par semaine. On met oui ou non. Un réveil ou une toux nocturne, là aussi on met oui ou non.
les recours au bêta-domimétique, on va dire oui ou non, et un retentissement sur les formes, on va dire au moins. On considère que l'asthme est bien contrôlé lorsque nous avons aucun des symptômes. La GINA est plus exigeant. Aucun symptôme, l'asthme est contrôlé. 1-1-2, l'asthme est partiellement contrôlé. Au-delà de 2, on est dans le mauvais contrôle. Voilà. Mais on ne s'arrête pas là. On doit chercher les facteurs de risque qui nous font craindre une évolution défavorable. Les facteurs de risque, on craint un risque d'exacerbation dans les mois à venir. Si l'enfant a tendance à faire beaucoup d'exacerbations dans l'année qui est passée, qu'il a été intubé, que les symptômes ne sont pas contrôlés, qu'il a consommé beaucoup de bronchodilatateurs, qu'il n'est pas sous traitement corticostéroïde et pourtant il est mal contrôlé, lorsque vous avez un VEMS bas, lorsque la technique d'inhalation n'est pas faite correctement ou bien on a une mauvaise compliance, lorsqu'il y a des problèmes psychosociaux et économiques, lorsqu'il y a un environnement inadéquat, tabagisme passif ou actif, je parle de l'actif chez l'adolescent, lorsqu'on a un environnement allergisant et bien sûr lorsque vous avez d'autres pathologies associées. Les facteurs de risque d'une obstruction fixe, c'est lorsque l'enfant doit en principe être traité par les corticostéroïdes, il n'a pas été traité, et lorsqu'il a un environnement nocif, et lorsque nous avons un VEMS très bas initialement, et lorsque les facteurs de risque d'effet secondaire, c'est lorsque l'enfant a tendance à prendre beaucoup de corticostéroïdes par voie générale de manière répétée. C'est les corticostéroïdes par voie générale qui risquent de donner des effets secondaires ou bien il est tellement mal contrôlé qu'on a été obligé de donner des doses fortes de corticostéroïdes inhalés. Vous savez, les corticostéroïdes inhalés, c'est vrai qu'ils ne donnent pas des effets secondaires, mais quand on les prend à la langue, ça risque de donner des effets secondaires. Donc ici, même si votre asthme est contrôlé sur les symptômes, si vous avez un facteur de risque, un ou plusieurs facteurs de risque, vous devez tenir compte dans l'évaluation du niveau de contrôle et vous devez en tenir compte pour les modifications du traitement. Pour l'asthme de moins de 5 ans, c'est à peu près la même chose. Durant les 4 dernières semaines, l'enfant a-t-il eu des symptômes? C'est exactement la même chose pour les symptômes. Aucun asthme est contrôlé. Partiellement contrôlé 2 et au-delà donc de 2, il est mal contrôlé. Pour les risques d'exacerbation à venir, voyez ici, c'est un peu différent. On ne parle pas d'exploration fonctionnelle parce qu'il est petit, mais des symptômes non contrôlés, les exacerbations, l'automne. Pourquoi on dit l'automne? Parce qu'en automne, les petits font beaucoup d'infections virales et peuvent faire des exacerbations. L'environnement qui est pollué, les problèmes psychosociaux et la mauvaise compliance au traitement et l'utilisation mauvaise des techniques d'inhalation. Les risques d'obstruction fixés lorsque l'enfant il est tout le temps hospitalisé, donc un asthme sévère, quand il a fait beaucoup de bronchiolites sévères, et là aussi, c'est comme pour le précédent, lorsqu'on a utilisé beaucoup de corticoïdes par voie générale, où on a été obligé de donner des corticostéroïdes par voie inhalée à forte dose. Donc là, l'objectif étant d'éviter d'arriver aux corticostéroïdes à forte dose. Et comme pour l'enfant de plus de 5 ans, si vous avez un ou plusieurs de ces facteurs, il y a un risque d'exacerbation. Ça va? Les enfants? Oui, on vous suit. Donc, on continue maintenant. Donc, quand on fait, par exemple, le traitement, il faut garder les grandes lignes, hein, parce que la prise en charge d'un enfant asthmatique, c'est un peu difficile. Il faut surtout, pour vous, apprendre à gérer une crise. Pour les contrôles, pour le traitement de fond, c'est un peu plus délicat. Essayez de comprendre, on va pas vous… c'est-à-dire les grands principes. Et si vous avez des questions après, je répondrai. D'accord. Alors, l'objectif de la prise en charge, c'est donc le contrôle de l'asthme. Comment on définit le contrôle de l'asthme? C'est c'est le bon contrôle des symptômes, c'est qu'une bonne tolérance de l'effort, on diminue les facteurs de risque d'une évolution péjorative, et avoir une fonction normale aussi proche que possible, fonction respiratoire, pardon, aussi proche que possible de la normale, et des effets secondaires minimes. Et actuellement, on a suffisamment l'arsenal thérapeutique
existe, si on arrive bien à identifier, à déterminer le niveau de contrôle, à suivre le traitement, on peut obtenir ce contrôle. Alors, il y a 4 axes thérapeutiques. Vous avez le médicament, vous avez le système d'inhalation. Là, en pédiatrie, on utilise surtout donc de façon en pédiatrie ou ailleurs, on utilise donc les systèmes d'inhalation. Et les systèmes d'inhalation sont les meilleurs parce que ils vous donnent une dose directement au niveau du site avec une faible quantité de corticoïdes passe dans le sang et donc on a un minimum d'effets secondaires. On reviendra sur ça après. Et ces systèmes d'inhalation doivent tenir compte de l'âge, bien sûr, les dispositifs qui existent sur le marché et les préférences de l'enfant et de sa famille. Vous prenez tous les dispositifs, vous discutez avec les parents et laissez-les choisir le dispositif qui les arrange, qui les manipule bien. Bien sûr, il faut faire une éducation thérapeutique, c'est très important. Les parents ou toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, il faudra expliquer, mais de manière très très simple, ce que c'est que l'asthme, utiliser s'il le faut des maquettes, iltihab al-qasabat al-hawa'iyya par exemple, voilà, et les facteurs qui risquent d'entraîner une décompensation. Il faudra donc les former à la technique d'inhalation. Une fois que vous avez choisi le système d'inhalation, il faudra les former, faire des démonstrations, leur faire des démonstrations et faire par les parents et l'enfant des démonstrations pour s'assurer qu'ils ont bien compris comment utiliser le système d'inhalation. Sinon, vous n'allez pas pouvoir traiter correctement votre enfant. Il faudra veiller à ramener ces enfants, à les convaincre à adhérer au traitement et créer un partenariat entre le médecin, les parents et l'enfant s'il est âgé et faire ce qu'on appelle un plan d'action personnalisé pour gérer les situations aiguës. Le PAP, c'est un plan par écrit, par exemple, voilà, si vous avez un symptôme, voilà ce qu'il faut faire. Ces plans, ils sont personnalisés parce que ça dépend du niveau des parents, ça dépend de l'enfant, etc. Et bien sûr, tout ça ne peut pas se concevoir sans essayer de faire un contrôle de l'environnement. Donc, dans la prise en charge de l'asthme, vous avez le traitement des crises d'asthme, le traitement de fond, donc le médicament, le contrôle de l'environnement, l'éducation et l'immunothérapie. On ne va pas parler de l'immunothérapie, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Moi, je ne suis pas très immunothérapie, mais elle a ses indications. Quand l'enfant a un asthme allergique, il est allergique à un seul allergène et qu'il est bien contrôlé par les médicaments. Je ne vais pas revenir sur ça. Voilà, donc il y a des spécialistes. Bien. Le traitement. Avant d'entamer le traitement, c'est pour vous, ça, ce que je vais vous dire, vous donner. C'est pour vous. Donc, je m'adresse à vous en tant que médecin. Quels sont les médicaments qu'on va utiliser dans l'asthme? Vous n'allez pas le trouver dans votre document. Ça, c'est pour vous. Hein. Alors, nous avons dit au début de cet article qu'il y avait une inflammation et il y avait un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui conduit à la bronchoconstriction. Automatiquement, on a le groupe des médicaments qui agissent sur la contraction du muscle bronchique, on l'appelle les bronchodilatateurs. Dans la famille des bronchodilatateurs, vous avez les bêta-2 agonistes de courte durée d'action. L'analbite de agoniste, je vous donne l'exemple Bricanyl et Ventoline. Ils sont uniquement utilisés dans le traitement des accès aigus, qu'ils soient brèves ou bien. Vous avez les bêta-2-mimétiques de longue durée d'action. Pas de son? Si, on vous entend. Voilà. D'accord. Les bêta-2-mimétiques de longue durée d'action, ce qu'il faut savoir, c'est des médicaments que vous ne pouvez pas utiliser seul. Il faut jamais les utiliser seul. Il faut toujours les utiliser en association avec les corticostéroïdes inhalés. Ils n'ont aucune place dans le traitement des accès aigus. Voilà, on ne les utilise pas du tout dans le traitement des accès aigus. Et que ces médicaments n'ont pas la même avant l'âge de 4 ans. Mais moi, je vous le dis personnellement, les Américains le font. Moi, je les utilise avant l'âge de 2 ans. Mais on peut pas, donc la même. Mais quand on les utilise, il faut avertir les parents.
Voilà. Et l'association bronchodilatateur corticostéroïde inhalé nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur les symptômes et nous permet, cette association nous permet de ne pas augmenter les doses des corticostéroïdes inhalés. Donc, ils nous permettent de maintenir une dose faible, minimale, efficace. Le troisième groupe des bronchodilatateurs sont les anticholinergiques. Je vais revenir sur ça. Nous avons, comme pour les bêta 2 agonistes, vous avez les de courte durée d'action qu'on utilise dans le traitement des accès aigus. On les utilise, nous, en pédiatrie à partir de l'âge de 2 ans. Voilà, uniquement. Et vous avez de longue durée d'action qui n'ont pas la même avant l'âge de, après, donc avant l'âge de 12 ans. Les bases xantiques, c'est les théophylines. C'était les médicaments qu'on utilisait avant pour, c'est des bronchodilatateurs quand on les donne à dose de 20 mg kilo. Actuellement, ils n'ont plus de place en matière de bronchodilatation. On peut les utiliser pour leur action anti-inflammatoire. À dose faible, les bases xantiques peuvent avoir une action anti-inflammatoire. Voilà. Alors, voici les anticholinergiques. Donc, nous, en pédiatrie, on utilise les de courte durée d'action, donc le dibromure, du pratropium, dans les crises sévères, mais à partir de l'âge de 2 ans. Alors, vous avez vu que pour les médicaments, j'ai utilisé pour les bronchodilatateurs la couleur bleue. Vous allez voir que tous les bronchodilatateurs en général sont bleus. On symbolise toujours le muscle en bleu et on symbolise l'inflammation, les anti-inflammatoires en rouge. Les anti-inflammatoires disponibles, bien sûr, les corticoïdes inhalés, vous avez les anti-leucotriens, vous avez des anti-inflammatoires anti-IgE, l'omalizumab, on l'a pas, et vous avez les anti-IL-5 également, c'est des anti, on les a pas. Donc oubliez les deux derniers parce que pour le moment on les a pas. Ils figurent sur les directives du GINA, mais si on a G1, on les a pas. Les corticoïdes, donc vous avez les corticoïdes inhalés qui constituent la pierre angulaire du traitement de l'asthme. Vous avez ici les 3 produits disponibles en Algérie, le dipropionate, le béclométasone, ce qu'on appelle le bécotide, le budesonide, c'est le pulmicorte ou budécorte, le fluticasone, c'est le fluctuoside. Dans pédiatrie, on cherche toujours une dose minimale efficace pour limiter les effets secondaires, notamment sur la croissance. Et pour les effets secondaires, comme c'est des corticoïdes qui peuvent rester au niveau de la bouche, on peut avoir une candidose buccale et une rosité de la voix. Pour lutter contre ça, on doit demander aux enfants de rincer la bouche après chaque utilisation. Et donc, ça réduit, voilà. Bien sûr, si vous avez un enfant qui a des doses fortes de corticostéroïdes inhalés, au bout d'un an d'utilisation, vous devez chercher les effets secondaires. Voilà. Pour les corticoïdes systémiques, donc c'est-à-dire qu'on donne par voie générale, que ce soit par voie orale ou bien par voie parentérale, on les donne uniquement dans le traitement des crises aiguës sévères, en cure courte. Voilà, on donne 1 à 2 mg kilo jour d'équivalent de prednisone. C'est des cures de 5 à 7 jours et qu'on arrête brutalement. C'est pas la peine de dégraisser. Les anti-leucotriènes, on les utilise donc comme deuxième choix. On va voir donc dans le palier 2. Les anti-IgE, ils sont utilisés comme option thérapeutique au stade 4 dans les asthmes allergiques persistants non contrôlés, tout comme les anti-IL-5. Les dispositifs d'inhalation qu'on utilise, vous avez l'aérosol doseur pressurisé conventionnel, donc le vaporisateur. Là, vous l'avez ici, on l'utilise couplé à une chambre d'inhalation. Soit une chambre d'inhalation sans masque facial pour les enfants âgés de plus de 4 à 5 ans, et ou bien avec un masque facial pour les tout petits. Vous avez les inhalateurs de poudre sèche qu'on utilise à partir de l'âge de 5 à 6 ans. Donc, il faut avoir un bon débit inspiratoire. Vous avez le turbu LR. Vous avez le disque. Donc, ça, c'est, je vous donne les dispositifs qui existent chez nous en Algérie. Regardez comment on utilise.
sur cette photo, comment on fait pour utiliser une chambre d'inhalation à masque facial. Pour la chambre d'inhalation avec embout, il faut favoriser l'embout buccal à chaque fois que c'est possible. C'est une éducation. Il faut que l'enfant respire à son rythme et vous calculez 6 à 7 cycles respiratoires. Bien sûr, il faut agiter le flacon, il faut pulvériser le produit et l'enfant va faire une inspiration, une expiration. Vous comptez 6 à 7 cycles respiratoires et après, voilà, ça, une bouffée. Quand je dis deux bouffées, c'est deux bouffées séparément. Vous donnez première bouffée, il respire 5 à 6 cycles respiratoires et ensuite, il fait donc une deuxième bouffée et 5 à 6 cycles respiratoires. Pour l'aérosol doseur directement dans la bouche chez les grands, mais là, il faut faire une bonne éducation. L'objectif étant assurer une bonne coordination main poumon, c'est-à-dire au moment où vous appuyez sur l'aérosol, la personne doit faire une inspiration et c'est pas évident. Là, il faut donc une bonne éducation de la technique d'inhalation. On commence par le traitement de la crise. Le traitement de la crise, si vous essayez par exemple de voir ce qui se passe dans les, si vous essayez de voir ce qui se passe dans la littérature, vous allez trouver plusieurs algorithmes. Là, je vous ai donné l'algorithme qui est utilisé qui figure sur le manuel de l'asthme de l'enfant de la Société algérienne de pédiatrie. Donc, vous avez avant de mettre le traitement de la crise, vous avez évalué, vous aviez donc le tableau et là, donc en fonction de la sévérité de la symptomatologie, vous allez traiter. Bon, on ne va pas revoir tout ça, donc c'est clair. Quand la crise est légère et que vous avez établi un plan d'action personnalisé par enfant, là, vous allez pouvoir traiter l'enfant à domicile. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que il faut pas avoir peur. Regardez, on va donner soit, on utilise bien sûr la voie inhalée, soit donc les aérosols doseurs ou bien un inhalateur de poudre sèche, ça dépend de l'âge. Si vous donnez le salbutamol en spray, vous donnez chez l'enfant de moins de 6 ans 5 bouffées en une seule fois et chez l'enfant de plus de 6 ans 10 bouffées. Donc, vous voyez que il faut y aller. Et vous répétez ça toutes les 20 minutes sur une heure et ensuite, vous allez faire une évaluation. Si l'enfant répond, vous allez lui demander de continuer les bêta-2-mimétiques, par exemple la ventoline, 3-4 fois par jour pendant une semaine. Si la réponse est incomplète, vous allez renouveler une autre prise et vous donnez en même temps une dose de corticoïdes. Alors, les corticoïdes, vous pouvez donner par voie orale. Il n'y a pas de problème, ça agit très bien, soit du Soluprid, soit du Celestane. Donc, ça dépend ce que vous avez. Et ensuite, vous évaluez. Soit que l'enfant, non seulement il ne répond pas et vous avez des signes d'une crise sévère, là, il faut qu'il consulte en urgence. Vous lui demandez de consulter en urgence après avoir renouvelé la ventoline et pris une dose de corticoïdes. Voilà. À chaque fois qu'il y a une amélioration, votre enfant peut sortir. Il va recevoir pendant une semaine les bêta 2, 3, 4 fois par jour, les cures de corticoïdes pendant 5 jours. Et par contre, vous devez l'évaluer après 24 heures pour voir la réponse. Et vous devez revoir au bout de quelques temps pour évaluer le traitement de fin. Alors, quand la crise est modérée, il vaut mieux le mettre en observation. Vous commencez par les bêta-2 mimétiques, soit en chambre d'inhalation, soit en nébulisation. L'efficacité est la même. Des études ont été faites. Il n'y a pas de différence entre la nébulisation ou le... Et vous donnez également une prise de corticoïdes. Là, c'est comme vous voulez. Soit vous donnez par voie orale, soit vous donnez par voie parentérale. Dans les endroits où vous n'avez pas de nébuliseur ni chambre d'inhalation, vous pouvez donner le Bricané par voie sous-cutanée et vous avez la dose sur cette plaque-là. Vous évaluez après une heure, soit que vous avez une réponse, vous êtes dans la zone verte avec une bonne saturation, vous pouvez autoriser le retour au domicile, toujours la même chose, ventoline pendant 7 jours,
plus corticoïdes et vous contrôlez votre enfant. Si l'enfant ne répond pas, persistante, vous répétez, vous donnez 3 nébulisations à 20 minutes d'intervalle, des corticoïdes et donc vous évaluez. S'il y a une aggravation, on est dans la crise sévère, il faut hospitaliser. Si après 2 heures d'évaluation et d'observation de 4 heures, vous observez l'enfant est stable, vous observez encore 4 heures et vous le faites sortir avec le même schéma thérapeutique. Si ça aggrave, c'est une crise sévère. La crise sévère, c'est d'emblée une hospitalisation de 24 heures au moins. Et là, on est dans l'exacerbation en fait ici, sévère. Et là, vous allez donner en fonction du poids, donc le salbutamol 0,03 ml par kilo toutes les 20 minutes que vous diluez dans du sérum salé ou bien terbutaline, ça dépend ce que vous avez, et vous donnez des corticoïdes et vous donnez de l'oxygène de manière à avoir une saturation supérieure à 92. Et au bout d'une heure, vous évaluez. Si vous avez une réponse stable, là, vous poursuivez, il reste hospitalisé 24 heures, même s'il ne serait pas, vous donnez les nébulisations toutes les 4 heures, et au bout de 24 heures, il sort avec des corticoïdes et des bêta-demimétiques. S'il ne répond pas, là, vous donnez une deuxième série après une heure de nébulisation, plus un anticholinergique, le dibromur, dipropion, si l'enfant est âgé de plus de 2 ans, et des corticoïdes par voie intraveineuse. Alors, si vous avez pas de réponse, voire même aggravation, vous avez des signes d'un asthme aigu grave, vous transférez immédiatement en soins intensifs. Donc, à chaque fois, vous faites une évaluation, voilà, et si vous avez une bonne réponse, les nébulisations, c'est toutes les 4 heures. Après 24 heures, vous pouvez autoriser une sortie. Dans l'asthme aigu grave, ça c'est pour vous, c'est normalement le réanimateur qui va poursuivre les nébulisations de salbutamol. Il va donner de la théophylline, là pour son action bronchodilatatrice, et il va même perfuser du salbutamol. Ça c'est donc du domaine de la réanimation. On peut même arriver jusqu'à la curarisation et l'intubation ventilation. Ça c'était pour le traitement. Donc c'était pour le traitement de ça se passe très bien. Alors, voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, pour la crise, donc c'est clair. Maintenant, pour le traitement de fond, je vous ai dit, donc je commence par le contrôle de l'environnement. Alors, on est à la maison, il faut essayer de supprimer le tabagisme et essayer de réduire, parce qu'on ne peut pas supprimer les allergènes. Il faudra supprimer et essayer de lutter contre les acariens. Comment on lutte contre les acariens? C'est la chambre où dort l'enfant, c'est une chambre anti-poussière, c'est-à-dire un minimum. Il y a le lit, un matelas synthétique, pas de tapis, pas de cache-rideau, rien du tout. Si les petits, une ou deux peluches que vous lavez dans une machine à laver, la laiterie, vous devez la laver dans une machine à 60 degrés, ou si vous n'avez pas de machine, vous devez repasser parce que la chaleur tue les acariens. Pour les gens qui ont les moyens, il y a ce qu'on appelle les acaricides. C'est comme les pompes d'actu sec. Vous pulvérisez tous les 3 mois au niveau des plantes. Les plantes sont le nid des acariens. C'est des endroits humides, vous pulvérisez tous les 3 mois, c'est les acaricides. Voilà. Il faudra lutter contre la moisissure et le cafard. Le cafard est très allergisant. Éviter les animaux domestiques et bien sûr, s'il est allergique au pollen, limiter le contact avec les allergènes extérieurs. Et s'il est allergique au pollen, par exemple, la literie ne doit pas sécher à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, le vent ramène des pollens et le soir, quand il dort, il peut justement donc être en contact avec le pollen et développer une crise. Rappelez-vous tout à l'heure qu'on avait la haute autorité de santé avait classé l'asthme en intermittent, en persistant léger à modéré et en persistant sévère. Intermittent sévère. Cette classification, c'est pour nous
guider sur le plan de la prise en charge. Vous voyez ici stade de sévérité et le traitement qu'on doit proposer. Alors, quand c'est un asthme intermittent, c'est-à-dire qu'il est très peu symptomatique, il n'y a pas de traitement de fond, on va traiter juste les accès aigus au coup par coup et on va donner en fonction du plan d'action personnalisé, donc on va guider les situations de crise et de pré-crise. Quand il est persistant léger, il y a indication d'un traitement de fond. On donne des corticostéroïdes à dose faible ou à dose moyenne. Et je vous ai dit, puisqu'on a affaire à un enfant de moins de 5 ans ici, donc c'est toujours avec une chambre d'inhalation. S'il est capable d'utiliser l'embout buccal, vous l'utilisez, sinon c'est le masque. Et dans l'asthme intermittent sévère, vous voyez que les corticostéroïdes inhalés, à forte dose, par masque. Et vous voyez ici que normalement, si c'était un enfant âgé de plus de 5 ans, au lieu d'augmenter les doses, on aurait gardé des doses faibles et on aurait rajouté un bronchodilatateur libération prolongée. Sauf que le bronchodilatateur libération prolongée n'a pas la même chez le jeune enfant. Vous avez compris? Oui. Voilà. Non, vous n'avez pas compris. Rappelez-vous, c'est-à-dire que nous avons intermittent, on n'a aucun traitement. Persistant léger à modéré, dose faible de corticostéroïdes, sévère corticostéroïdes, dose forte. Retenez le principe. Et là, si on avait la possibilité, si les bronchodilatateurs libération prolongée avaient l'AMM chez le jeune enfant, au lieu, dans l'asthme intermittent, on donnait des corticostéroïdes à dose forte, on aurait gardé les corticostéroïdes à dose faible et on aurait rajouté les bronchodilatateurs libération prolongée. Vous avez compris? Oui. Voilà. On fera donc à l'occasion, peut-être qu'on fera un petit cas clinique, on verra après. D'accord pour eux. Alors, ça c'était. Là, c'est le GINA, ce que propose le GINA. Donc, la classification du GINA. Donc, il faudra choisir ce que vous voulez. Hein. Par exemple, le GINA, elle va classer. Elle classe les malades par palier. Par exemple, le palier 1 correspond à des sifflements viraux induits peu fréquents avec 100 symptômes intercritiques. En fait, c'est l'équivalent d'un asthme intermittent. Le palier 1, elle donne rien. Le palier 2, si vous voulez, c'est un asthme persistant léger. Le GINA donne des corticostéroïdes à faible dose, mais le GINA, elle donne toujours une option de choix, c'est la meilleure, et une alternative. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas donner des corticostéroïdes inhalés. C'est des corticophobes, on les appelle. Au lieu de donner les corticostéroïdes, on peut donner les antileucotriènes ou bien les corticostéroïdes par intermittence, oubliez ça. Bien sûr, à chaque fois, il y a les bronchodilatateurs de courte durée d'action à la demande. Et plus vous augmentez dans la sévérité, plus les symptômes sont fréquents, vous allez augmenter. Regardez ici, le palier 3, c'est un enfant qui est beaucoup plus symptomatique, qui n'est pas contrôlé. À ce moment-là, vous donnez les corticostéroïdes inhalés, vous doublez la dose, vous donnez à moyenne dose. Et si vous ne voulez pas doubler la dose, au lieu de donner les corticostéroïdes à moyenne dose, vous donnez des corticostéroïdes à faible dose et vous rajoutez l'antileucotriène. L'antileucotriène, on peut le donner chez le jeune enfant. Voilà. On peut le donner soit en monothérapie, comme vous le voyez dans le palier 1, ou bien associé à un corticostéroïde dans le palier 3 pour avoir un meilleur contrôle et pour ne pas augmenter les doses des corticostéroïdes. Et enfin, vous avez le palier 4. Le palier 4, voilà, là où vraiment l'enfant est très symptomatique, etc. Le palier 4, on vous dit, demandez l'avis d'un spécialiste. Le palier 4, en général, on donne de fortes doses de corticostéroïdes inhalés et on rajoute les antileucotriènes. Voilà, c'est juste pour avoir une idée. Hein. Donc, voilà, l'objectif. Et puis, vous voyez qu'on va surveiller ces enfants-là tous les 3 mois. Et au cours de la surveillance, on peut… faire une escalade, c'est-à-dire on part d'un palier 1, par exemple, vers un palier 2 ou 3, ou bien une désescalade, on peut être un palier 3 et descendre vers un palier 2. Et l'objectif étant, chez le tout petit, toujours trouver une dose minimale de corticostéroïdes inhalés pour obtenir
pour obtenir donc un meilleur contrôle de la maladie. Voilà. Voilà. Vous avez dans votre document les paliers, donc comme on vient de le dire, donc il existe, ça existe sur votre document, donc c'est pas la peine de vous encombrer. Hein. Palier A, c'est intermittent, pas de, et plus l'enfant est symptomatique, plus on augmente. Par contre, chez l'enfant âgé de plus de 5 ans, voyez, c'est le GINA. Là aussi, c'est toujours par palier. Dans le GINA, le niveau 1, vous avez des corticostéroïdes à faible dose. Dans le niveau 2, voilà, vous avez donc dans le niveau 2, soit donc vous avez des le niveau 1, vous avez deux choix. Soit vous ne donnez rien du tout, soit vous donnez des faibles doses de corticostéroïdes inhalés. Et il faut dire que dans la tendance actuelle, c'est que le niveau 1, on ne donne rien du tout. Retenez ça. Dans le niveau 2, on donne de faibles doses de corticostéroïdes inhalés, ou comme autre choix, c'est les antileucotriènes. Ou bien, on donne la faible dose de théophylline. Rappelez-vous, je vous ai dit que la théophylline à faible dose, elle peut être donc anti-inflammatoire. Et plus vous augmentez, vous avez d'autres choix. Le niveau 3, par exemple, qui est beaucoup plus grave, vous avez deux options. Soit vous avez une faible dose de corticostéroïdes inhalés plus les bronchodilatateurs de longue durée d'action, soit vous doublez la dose des corticostéroïdes inhalés, soit vous donnez des corticostéroïdes inhalés faible dose plus la théophylline ou plus antileucotriène. Donc, vous pouvez faire toutes les combinaisons possibles. Mais en tout cas, quand on arrive au niveau 5, c'est l'asthme difficile à traiter. Là, il faut faire appel à un spécialiste. Et c'est dans ces situations-là où on donne tous les médicaments, les corticostéroïdes, les bronchodilatateurs libération prolongée, les antileucotriènes, et on rajoute également les anti-IgE ou bien les anti-IL-5. Et à chaque fois, bien sûr, il faudra de traiter les accès aigus au coup par coup. Bref, c'est un peu compliqué, mais plus l'enfant est contrôlé, plus chercher à donner des faibles doses de corticostéroïdes inhalés. Bon, donc l'évaluation du jeune enfant, on fait une évaluation tous les 3 à 6 mois, et vous voyez que on peut faire une escalade ou une désescalade thérapeutique. Non, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Vous voyez ici, donc on peut on évalue tous les 3 mois et on peut aller soit de rien du tout et on fait une escalade la thérapeutique, ou bien on fait une désescalade en fonction de l'évolution. Et regardez, par exemple, ici, quand on a donc un palier 2, par exemple, un enfant qui est sous corticostéroïde à faible dose ou à moyenne et qui n'est pas contrôlé, on peut, au lieu d'augmenter les doses de corticostéroïdes, on peut rajouter l'antileucotriène. MTLK, c'est Montelukast, c'est un antileucotriène. Et à chaque fois, c'est pareil. Une fois que le traitement est instauré, il faudra régulièrement évaluer le niveau de contrôle. Ce niveau de contrôle, vous le faites tous les 2 à 3 mois. Vous allez donc examiner la réponse au traitement sur les symptômes, sur les exacerbations, sur les effets indésirables, la satisfaction de l'enfant et la fonction pulmonaire. Et puis, après, vous allez décider est-ce que donc il y a un bon contrôle ou il n'y a pas de contrôle. Vous allez constater les anomalies. Une fois que vous avez constaté les anomalies, vous allez adapter le traitement. Soit vous laissez le même traitement, soit vous faites une escalade thérapeutique, soit vous faites une désescalade. Vous reprenez par exemple l'éducation thérapeutique, etc. Un tas de choses pour essayer donc d'obtenir un meilleur contrôle. Voilà. Donc, quand vous avez un mauvais contrôle,
et des exacerbations malgré 3 mois de traitement de faim. Il va falloir, avant de dire qu'il y a un échec thérapeutique, il va falloir voir si l'enfant utilise bien votre système d'inhalation. Il va falloir voir s'il a reçu correctement et tous les jours le traitement. Il faut essayer de chercher d'autres facteurs de risque. Peut-être on n'a pas fait une recherche approfondie. On est passé à côté d'un certain nombre de facteurs de risque qui nous empêchent d'obtenir le contrôle. Et il faut voir, peut-être il ne s'agit pas d'un asthme, c'est autre chose. Et si vous doutez, si vous n'arrivez pas, il faut toujours demander l'avis de quelqu'un d'autre, pas forcément un avis spécialisé. Des fois, on bloque et quand on demande l'avis de quelqu'un d'autre, il attire notre attention sur un élément qu'on n'a pas analysé et qu'on a ignoré. D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, je parlais de bande de dose moyenne et de dose forte, etc. Vous avez ici, on parle de faible dose moyenne. Pour le béclométasone, on ne doit pas dépasser c'est jusqu'à 500, le budesonide jusqu'à 400, le fluticasone. Et les fortes doses, vous les avez sur la deuxième colonne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer d'arriver à la troisième colonne. Chez l'enfant, si on arrive à ça, on a automatiquement des effets secondaires. Donc, notre objectif, c'est de ne pas dépasser les doses fortes. Si on peut éviter les doses fortes, c'est encore mieux. Et je pense qu'on a la possibilité en rajoutant, par exemple, des antileucotriènes ou en rajoutant des bronchodilatateurs. Alors, quand vous avez un enfant que vous avez mis sous traitement, vous ne pouvez pas avoir une amélioration au bout de quelques jours. Il faut savoir que les corticoïdes inhalés, c'est des corticoïdes qu'on donne uniquement dans le traitement de faim. On ne traite pas les accès aigus. Parce que, tout bêtement, ils n'agissent pas tout de suite et ça demande 1 à 2 semaines. Donc, si au bout de 2 semaines, on revient vous dire ça n'a pas marché, il faut de la patience. Et donc, l'effet optimum, il est obtenu au bout de 3 à 4 mois. Et à 3 mois, quand on voit le malade après le premier contrôle, c'est-à-dire à 3 mois, c'est juste pour évaluer le niveau de contrôle. C'est pas pour faire peut-être pour faire une escalade, mais pas pour faire une désescalade. C'est-à-dire, si vous avez mis un enfant sous traitement, au bout de 3 mois, il va bien. Il faut maintenir ce traitement et le revoir 3 mois après pour essayer donc de voir s'il faut modifier ou non. Donc, et en général, j'ai dit environ 3 mois. Moi, je dirais qu'il faut attendre environ 6 mois pour modifier à nouveau le traitement, pour être sûr que c'est stable. Une bonne prise en charge, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'éducation de l'enfant et de sa famille. Donc, il faut informer et former. On informe sur la maladie, les facteurs déclenchants, expliquer les traitements, prenez chaque traitement à quoi il sert. Il faudra expliquer les systèmes d'inhalation, le fonctionnement du débitmètre, à quoi il sert. Reconnaissance, il faudra amener le malade à reconnaître, à gérer la crise, la pré-crise et ça par la mise en place d'un plan d'action personnalisé. Et il faudra lui apprendre à percevoir une détérioration de la maladie. Les adolescents sont très dangereux parce qu'on dirait qu'ils s'adaptent, qu'ils s'habituent. Ils sont en crise, ils vous disent « ça va, je suis très bien », alors qu'ils sont obstrués et ils évoluent rapidement vers un état de mal asthmatique ou un asthme aigu grave. Et cette éducation, elle doit être régulière, pas une seule fois, à chaque consultation, il faut poser les questions, il faut qu'ils vous fassent une démonstration, comment ils utilisent le système d'inhalation, poser des questions indirectes pour voir s'il est compliant au traitement. Et cette éducation, donc, elle n'est pas un acte ponctuel, elle doit s'inscrire dans le temps et c'est de cette manière uniquement qu'on va pouvoir soigner correctement notre enfant. Donc, l'évaluation fonctionnelle, quand est-ce qu'il faut faire l'EFR? Au début, on peut la faire donc tous les 2 à 3 mois, mais en fait, c'est en fonction des malades. Et si vous avez un enfant qui est bien depuis un bon moment, il est bien, vous commencez à dégraisser d'une manière prudente et progressive. Vous diminuez de 25 à 50%. On commence toujours par les corticoïdes inhalés pour obtenir une dose minimale efficace. Si une dose faible est atteinte, on peut passer à une dose quotidienne unique et vous la maintenez aussi longtemps que possible. Elle est faible, donc on n'a pas peur des effets secondaires. Il faut s'assurer du bon contrôle. Et si votre enfant reçoit une combinaison corticostéroïde inhalée bronchodilatateur de longue durée d'action, vous commencez par arrêter d'abord
le bronchodilatateur de longue durée d'action, et ensuite vous diminuez progressivement les corticostéroïdes inhalés parce qu'il reste le traitement essentiel. Voilà, à chaque fois, si vous n'avez pas un contrôle suffisant, vous majorez votre traitement. Le contrôle de la fonction respiratoire, donc si vous avez arrêté le traitement, vous le faites 6 mois après l'arrêt du traitement pour être sûr que votre enfant est toujours stable. Les autres thérapeutiques, c'est quoi? La kinésithérapie, il faut apprendre à l'enfant donc à se moucher le nez s'il a une rhinite allergique associée. Le sport, il y a la contre-indication du sport chez l'asthmatique, c'est la plongée sous-marine. Par contre, la natation, il faut la favoriser, et le cyclisme, parce que ça fait travailler les muscles respiratoires. Quand un enfant a un foyer infectieux oral, il faut le traiter, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir maîtriser la maladie. Si vous avez un RGO, vous allez le traiter. Et donc, c'est de cette manière uniquement qu'on va pouvoir obtenir un bon contrôle de la maladie, et qui dit bon contrôle de la maladie donne bonne intégration scolaire et sociale, et c'est de cette manière qu'on va assurer l'avenir professionnel de notre enfant. Donc l'asthme est grave si on le traite pas. Pour le moment, et quand on a un asthme qui n'est pas contrôlé, ça perturbe tout le monde, l'enfant et sa famille et la société. Et donc, si on traite correctement, on peut obtenir donc un bon contrôle et réduire la morbidité. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Et c'est dommage, il n'y a que 9 participants, parce que c'est un cours très, très, très important. Alors. Donc, l'atopie est de définition biologique. Elle n'est pas biologique uniquement, donc elle est biologique et cutanée, parce que les tests cutanés, en fait, donc ils testent les mastocytes de la peau, et donc qui portent des IgE. Donc, vous pouvez mettre en évidence une atopie par des tests cutanés. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les enfants? Non, merci. C'est très clair. C'était clair. Vous avez tout compris. Tant mieux. Tant mieux. Donc, vous devez donc être fatigué. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va programmer le prochain cours. Alors, merci. Une radiopathologique élimine un asthme. On ne peut pas avoir des coexistences. Non. Ça, c'est un principe. Quand c'est une radio, c'est une infection aiguë. Parce qu'un foyer aigu, oui, mais on n'a pas de coexistence. Parce que c'est des pathologies qui sifflent, c'est des bronchopneumopathies obstructives. Non. Retenez ça, ça vous aide dans votre pratique de tous les jours. Un asthme, c'est une radio normale juste distendue. D'accord? Voilà. Ça vous aide, hein, vous allez voir, hein, dans votre vie. Donc, c'est vraiment une radio normale distendue quand il est en crise. Sinon, en dehors de la crise, c'est une radio normale. À chaque fois que vous avez un enfant qui siffle et qui a une radio anormale, thorax anormal, il faut le considérer comme non asthmatique, jusqu'à preuve du contraire. En dehors des situations aiguës, bien sûr, un asthmatique, il peut vous faire un foyer, une infection. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les enfants? C'est quoi le point nécessaire qu'il faut les garder dans notre traitement? Pardon? Le point nécessaire qu'il faut les garder pendant le traitement. J'ai pas compris. Répétez votre question. Les points nécessaires dans le traitement. Qu'il faut les garder. Les points nécessaires dans le traitement. Donc, avant le traitement, d'abord, il faut évaluer le niveau de contrôle, parce que c'est à partir de là que vous allez décider s'il faut traiter ou non.
Voilà. Si votre asthme est contrôlé, bon, si on part du principe qu'on a affaire à un premier malade qui n'est jamais traité. Si votre enfant n'a jamais été traité, là, vous allez évaluer le niveau de contrôle, même s'il n'est pas traité. S'il n'est pas contrôlé, vous donnez des corticoïdes, plutôt des traitements coup par coup, mais les points nécessaires ici, c'est un bon contrôle de l'environnement, une bonne hygiène de vie. Si maintenant il n'est pas contrôlé ou contrôle partiel, il va nécessiter un traitement. Dans le traitement, il y a les corticoïdes inhalés. Il faudra insister pour qu'il les prenne régulièrement avec un bon système d'inhalation. Il faut lui apprendre, ça c'est le plus important mes enfants, c'est leur apprendre à utiliser le système d'inhalation. Je vous assure, à chaque fois que l'enfant est non contrôlé et je vérifie, même après 3 ans, 4 ans, je trouve une anomalie au niveau de l'utilisation du système d'inhalation. Donc, c'est l'éducation. Il faut insister qu'ils prennent tous les jours, il faut essayer, c'est contraignant, il faut créer ce partenariat et il faut leur expliquer que si vous vous traitez, ça finira par donc s'arranger. Voilà, moi je pense que c'est ça le plus important. Quant à l'indication donc du traitement, je vous ai dit, les principes du traitement, c'est que lorsque il y a une persistance des symptômes, c'est des corticostéroïdes inhalés dans tous les cas. Si les symptômes non seulement persistants mais fréquents, etc., il faut rajouter autre chose. Maintenant, chez l'enfant, l'objectif même ailleurs, il faut pas donner de fortes doses de corticostéroïdes inhalés. Il faut chercher une combinaison qui vous permet d'obtenir un bon contrôle d'un côté et d'un autre côté qui vous permet de diminuer les effets secondaires. Et là, chez l'enfant de moins de 5 ans, vous pouvez donner les antileucotriènes avec les corticostéroïdes. Et chez l'enfant âgé de plus de 5 ans, vous pouvez rajouter les antileucotriènes et vous rajoutez les bronchodilatateurs en libération prolongée. Si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Et que quand on met un traitement, il faut attendre au moins 3 mois pour évaluer donc la réponse au traitement. Si donc vous avez une bonne réponse, il faut attendre encore 3 mois pour décider s'il faut diminuer ou non. Et donc de toute façon, c'est une évaluation tous les 3 mois. Voilà. C'est bon? Oui. Non, sauf les tests cutanés, ils seront toujours positifs et les tests cutanés vont vous dire si votre asthme est d'origine allergique ou non. Ce n'est pas la désensibilisation. La désensibilisation a ses indications, même tout. Donc, parce que si l'enfant a un asthme, par exemple, bien contrôlé, il est allergique à un seul allergène, on peut tenter la désensibilisation. D'accord? Mais elle n'est pas obligatoire. Les tests cutanés vous disent que le sujet, il a des IgE vis-à-vis de tel ou tel allergène. C'est tout. Et même, vous pouvez avoir un test cutané positif alors que vous n'avez pas de manifestation clinique. Ça veut dire, il est sensibilisé, mais il n'est pas allergique. C'est de l'atopie et ce n'est pas l'allergie. L'allergie, c'est la clinique. Et vous ne pouvez pas traiter sur les tests cutanés. Vous traitez sur les cliniques, pas sur les tests cutanés. En général, on demande des tests cutanés parce qu'on a une symptomatologie clinique. Ça va de soi, on va pas faire systématiquement. D'accord? Donc, si vous avez des signes cliniques et vous avez des tests cutanés, ça veut dire uniquement c'est d'origine allergique et c'est tout. Et là, il y a l'immunothérapie, elle n'a pas beaucoup de place dans l'asthme sévère, dans l'asthme. Elle a peut-être une petite place dans l'asthme très peu sévère et les indications sont très précises. Il faut être allergique à un seul allergène, il faut que la symptomatologie soit maîtrisée. C'est pas évident. Hein. Donc, à mon avis, ne vous encombrez pas avec cette désensibilisation. OK? Autre chose. C'est bien. Dans le diagnostic différentiel, comment tout ce qui siffle n'est pas asthme tant qu'on a le sifflement comme symptôme d'asthme? Ça veut dire que vous n'avez pas compris, ma petite, ou la mon petit. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que l'enfant siffle, c'est de l'asthme. Il y a beaucoup de pathologies qui s'accompagnent d'un sifflement et ce n'est pas de l'asthme. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, j'ai dit que l'asthme, il y a
un sifflement, un syndrome d'obstruction avec une radio normale. Par exemple, je vous donne un exemple. On peut siffler parce qu'on a un kyste bronchogénique qui comprime une branche. Quand on fait la radiographie du thorax, on a une opacité. On peut siffler quand on a une inflammation des branches, comme dans la mycoviscidose, c'est une inflammation qui entraîne une réduction des calibres. Parce que le sifflement, ça ne veut pas dire asthme. Le sifflement, ça veut dire que le calibre de vos branches sont réduits, quel que soit le processus de cette réduction du calibre. Et l'air, quand il essaye de sortir, il se manifeste par un sifflement. Donc, quand vous avez un corps étranger qui obstrue partiellement une branche, l'air, quand il sort, ça veut dire qu'il y a une réduction du calibre bronchique. Quand vous avez une mycoviscidose avec une inflammation des branches, vous avez donc l'air a du mal à circuler, vous avez un sifflement. Quand vous avez, hier on parlait, quand vous avez une infection de bronchique, par exemple une infection virale, une bronchopneumopathie, on peut avoir un sifflement parce que le calibre est réduit par l'inflammation, etc. D'accord? Le sifflement ne signifie pas asthme. L'asthme, je répète, c'est une obstruction bronchique avec tout sifflement aux pressions thoraciques qui est réversible en rapport avec une inflammation chronique et avec une contraction du muscle qui est réversible sous traitement et sous l'effet de bronchodilatation. Le sifflement dans les autres pathologies, il n'est pas réversible. C'est pour ça que j'insiste sur la réversibilité. Si vous avez une obstruction bronchique qui n'est pas réversible également, sous bronchodilatateur et anti-inflammatoire, ce n'est pas de l'asthme. C'est pour ça qu'on fait l'EFR. La réversibilité est un critère diagnostique. Voilà. Bien. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. C'est bon, mes enfants? Mes enfants? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. À la prochaine. Il me reste un seul cours. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le programmer. Je vais voir avec l'administration. Allez, merci. Merci. Allez, bonne fin de journée. Merci à vous. Bonjour.